Le micro est en marche. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Bah, vu l'heure, ouais, c'est un stream tardif. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Hop, on bascule là-dessus. Soyez les bienvenus sur ce stream où on va essayer de faire un peu de la caillasse. Non, on va pas les miner. On va essayer de faire des ISK sur Rev Online avec un maximum de missions burner. Et on va commencer tout de suite avec une mission de Anomic Team. Donc là, c'est la Vengeance. Donc c'est le vaisseau Amar. Ok, il va falloir enlever un petit peu de coque. Donc, je vous invite, si vous regardez cette rediff sur YouTube, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Venir me suivre directement sur Twitch si ça vous dit, et éventuellement aussi rejoindre le Discord, tous les liens sont en bas dans la description. Donc on est parti, j'ai tout remis à peu près en place, tout est presque bon. Ah non, pas bon, je suis presque bon au niveau de mes filtres, parce que tout à l'heure j'ai fait un stream Star Citizen qui n'a pas duré longtemps. Pour plusieurs raisons, c'était pas... hop, je vais descendre un peu ça, voilà. Ça n'a pas duré longtemps, les perfs n'étaient pas au rendez-vous. Les viewers non plus d'ailleurs. Du coup, reparti sur un petit peu de Eve. Bon, on va pas streamer pas jusqu'au bout de la nuit là. Faut rester quand même un petit peu raisonnable. Parce qu'en plus la nuit est la, c'est la plus courte là. Alors, live instable, je vérifie mon retour de son. Mon retour de son, c'est bon. Donc si vous avez des suggestions, même si c'est sur YouTube, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Trop fort, trop ci, trop ça. Je prends toutes les critiques. Hein. Ça fait toujours du bien. Ça permet d'avancer, d'évoluer, de se perfectionner éventuellement quand c'est possible. Donc, j'ai dit, hop, là on a une Anomic Team. Et là, il faut détruire le Vengeance. Donc le Vengeance, on fait ça avec le Garmur. Alors, est-ce que j'ai assez... Faut que je regarde mes notes. Parce que le Vengeance, c'est le Garmur avec les Infernos. Ok, et les Inquisitors au Nova ou au Scourge. Alors, j'ai un petit peu de Scourge. J'ai pas mal de Nova, donc ça va. Et c'est l'Inferno. Bon, c'est bon, j'ai assez. J'ai assez, je l'ai pas vidé de la dernière fois. C'est quand même un peu... Je vais quand même le vider. Allez, je vais le vider vite fait. Je le vide vite fait. C'est-à-dire... De toute façon, il n'y a pas grand-chose, mais... Là, dans les teams, dans les Anomic teams, c'est pas souvent qu'il y a du loot. Je suis pas tombé souvent dessus, après, je suis pas... Mais là, on va essayer de faire un max de burner, un max de burner. Peut-être que je pourrais presque en faire une vidéo à part déjà pour le premier. Alors voilà, comment faire le burner en Garmur avec un fit à 243 millions, donc c'est pas très cher, sachant que le Garmur, en fait, ce fit là, il fait toutes les missions quasiment, enfin toutes les missions Anomic Team. Je dis pas trop de conneries, je crois que les teams, en fait, on peut toutes les faire avec le Garmur. Après, il y a d'autres chips qui sont possibles, hein, évidemment. Après, peut-être que je partirai sur un Nergal, moi, d'ailleurs. Peut-être passer comme ça. Est-ce que je suis en plein écran? Non. Je vais me mettre en fenêtré. Voilà. Ce sera mieux pour que je puisse switch entre mes 18 fenêtres, en fait. Alors, j'ai beaucoup de fenêtres parce qu'il y a OBS, il y a pour mettre mon téléphone en tablette, hein, parce que mon téléphone, en fait, il fait tablette et il fait Stream Deck, en fait. Steam Deck, pardon, pas Stream Deck. Et ça permet de couper le micro. Remettre le micro, changer la scène, ce genre de truc, en fait. Donc il faut un petit prog qui tourne pour ça. J'ai un petit truc pour avoir mon stream en surimpression. Bon, il y a encore le launcher de F qui est ouvert, donc quand je fais des alt tab, il glisse des fois toujours un peu si je vais trop loin. Bon, bref, ça me fait quand même pas mal de fenêtres. Alors, on est parti. J'ai dit que le Garmur, il était prêt. Je vais quand même vérifier s'il n'a pas besoin d'être réparé. On sait jamais, non, c'est bon. La mission, je ne l'ai pas acceptée.
Attention, parce que je me suis déjà fait avoir plus d'une fois avec ça. On accepte. On est à 4 jumps. Et c'est parti. Tout simplement. Alors, est-ce qu'au niveau du son, le son du micro, normalement, c'est bon? On m'a dit qu'éventuellement, des fois, c'était un peu faible. Et le son du jeu, ouais, c'est pas mal. Le son du micro, bon, voilà, je tape dans le jaune sur OBS, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Après, il y a les filtres qu'il faudrait peut-être régler correctement. Alors, t'en mets du temps pour jump? Voilà. C'est plus long de faire la route que de faire la mission là. Le plus long, c'est la route. Bon, ça va, c'est un petit vaisseau, c'est une frégate, du coup ça warp vite quand même. Il y a des skins, tiens, pour le garmure, parce que maintenant du coup quand on a une skin sur notre ship, il apparaît dans le, enfin, la skin, elle apparaît dans la, et en fait quand on regarde les vaisseaux des autres aussi dans l'overview, il y a la skin qui apparaît maintenant. Il y aurait quoi qui pourrait des skins de toute façon, je me demande. Ah ben bah... ah tiens, il n'y a même pas d'intervenant de, il n'y a même pas de... d'intervenant de la biosécurité. Putain, ça c'est pas mal quand même. C'est animé en plus. C'est quand même pas mal. Mais ça doit valoir quelques milliards à mon avis. Ah non, ah bah il y en a là sur REC. 341 millions. Ah bah dis donc. La Arcombine, ça c'est un truc qui a eu autant en cadeau en drop. D'ailleurs les drops c'est bon là normalement. Toujours bon hein, parce qu'il y a encore. Je vais vérifier ça. Faut que je passe par où là? Passer par là, tac. Les drops, c'est bon. Alors, on va... Du début de la mission, du coup, on arrive dans le système. On voit pas la gate. Du coup, c'est des missions toujours. Des missions avec un portail à passer. J'ai dit qu'il fallait avoir... Alors, on va essayer d'en avoir un. Enfin, on va essayer. Hein. On va dégager sur le un Inquisitor au Nova. Qu'est-ce que j'ai dedans? Peut-être l'Inquisitor, peut-être à Nova Mjolnir. Je vais essayer à la Nova normale. On va voir à la Nova normale. Est-ce que j'ai même pas mes scripts en fait? Mais oui, j'ai pas mes scripts, j'ai tout dégagé. Classique quoi. Donc du coup, ça va me faire combien de range? Une fois que j'aurai allumé tout ça. 22. 22 en orbite. On va se régler à 20, c'est bon. 20 vengeance. On va voir. On va voir. Normalement, ça passe. Ça passe. Au pire, il faudra que je. Si. Parce qu'il ne faut pas orbiter autour des Inquisitors. Il faut orbiter autour du vengeance. Parce que les Inquisitors, ils ne tapent pas dessus. Eux, ils ne sont là que pour faire du support.
Bon, le plus long, de toute façon, c'était la route, ça c'est sûr. Alors, on sélectionne le burner vengeance, orbite à 20 km, le micro hard drive. Donc déjà, on se met en orbite à lui, on se met en orbite de lui à 20 km. Et on cible tout le monde. Et on voit qui est-ce qu'on peut allumer en premier en termes de d'Inquisitor. Il y en a un qui est un 24, un 28. Et des fois, si les orbites sont totalement asynchrones. Allez, je vais commencer l'Inquisitor là, lui. Il risque de prendre cher. Donc toujours en orbite autour du Vengeance. Il faut tomber. Alors, ça dépend. Il y en a oui et non. Par exemple, je sais plus laquelle. Il y en a une autre de burner où j'ai pas besoin de. C'est laquelle? C'est le Hawk. Ouais. Le Hawk, il prend tellement cher, lui. Et le Ennio aussi. Ils prennent tellement cher ceux-là qu'il n'y a pas besoin de péter les supports en fait. Alors là, ça se passe comment? Ça se passe moyen. Parce que là, il a son pote qui l'aide. Du coup, ça traîne. 164 de dégâts, c'est pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Attends. L'armor. Non, vaut mieux taper en explo, pas. Eh oui, c'est pas les bons là. L'explo du coup de Nova. Eh, mais j'ai mis Mjolnir. J'ai mis Mjolnir. Je sais pas pourquoi Nova, pour moi, je l'associe toujours avec le bleu du Mjolnir. Je sais pas pourquoi. Bon, bah, ça va aller beaucoup mieux là. Voilà. Je suis trompé de missile. Donc, l'Inquisitor. Ah non, je tape sur le Vengeance là. L'Inquisitor, on a dit. Donc 244, voilà, ça fait ce bout tout à l'heure, c'était 160 ou 140, je sais plus, ça me semblait short, hein. Faut y faire des dégâts quand même. Donc là, on voit que ça surpasse sa capacité à se régénérer, ainsi que l'autre Inquisitor qui lui sert de support. En plus, ça va, il est à 18-19 km, pas qu'il aille bien plus loin que 22, hein, parce que à 23, ça passe encore, mais. Il y a une roquette sur deux qui arrive plus. Mais là c'est bon, il en a plus que pour quelques salves. 420, voilà, boum, ça c'est la structure. 455, ça c'est la structure. Et voilà, c'en est fini de celui-là. Maintenant, le Vengeance, on passe sur les Infernaux. Et on va lui mettre cher, normalement là, c'est bon. Alors on est bon, ouais, dans les mêmes ordres de dégâts, 200. Parce que là il a 22 km. Pourquoi il a 22? Il est bien loin là. Bon, ça passe quand même, 22 km, ouais, il est juste. Mais ça passe. Là on voit qu'il a la moitié d'armor. Pourquoi 23 alors que je suis censé orbiter à 20? Bon, ça suffit. Ouais, ça suffit, ça descend. Voilà, hop, il a bientôt plus d'armor. Boum, ça tape sur la structure, ça fait vite très mal. Et voilà. Et 5 petits millions de bounty. Ah, est-ce qu'il va y avoir un peu de loot? Il y en a. Il m'est arrivé d'en trouver, ouais, mais il n'y en a pas souvent. La plupart du temps, c'est vraiment de la daube. Ben voilà. Typiquement.
Bon, je prends quand même, hein, parce que bon, voilà. Et on va aller compléter la mission maintenant. Et on va essayer d'en trouver une autre. En fait. Alors, je regarde mon live, je vois que je suis en instable. Je ne sais pas ce que ça donne. J'espère que ça pourrit pas trop le live. J'ai oublié un S à mission. Je vais en faire plusieurs quand même. Bon, faudrait que je pense à reprendre mes scripts aussi, peut-être bien, hein. La musique. Les planètes, j'ai fait ma planète aujourd'hui. Oui. Docking permission requested. Docking request accepted. Complete mission, voilà. Allez, 9762 LP. Alors, je lui en demande une autre et il me donne le Serpentis. Alors, le Serpentis. J'ai un fit normalement en fait que je suis censé utiliser pour le Serpentis. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça avec un Hawk. Je l'ai pas, j'ai pas de Hawk, j'ai pas de Hawk. Ah si, j'ai un Hawk. Et il y a quoi dessus? Oula, c'est pas du tout le bon fit. Ça va pas du tout, ça irait pas du tout. Il y a quoi comme shield booster? Ah, il y a un bon shield booster, la vache. Ok, qu'est-ce que c'est ce fit de Hawk? Qu'est-ce que c'est le Hawk tout court en fait même? Alors, il est pas à côté, faudrait que j'aille le chercher. Bon, ouais, de toute façon, si je l'essaye, mais je suis pas sûr que j'y pète, là. Parce que là, le tout, c'est est-ce que je peux faire assez de dégâts? Surtout ça, là, il est fit avec quoi? Des Light Missile Launcher. Et là, il l'avait mis avec des Rocket Launcher 2. Que là, moi, mon fit, il est à 185 millions.
Si je mets les... Je vois pourquoi il y a un Corcrob là-dessus. Si j'y mets, mettons, des... Je sais pas, n'importe. Des Nova. Tu vois, les DPS 110. À mon avis, il y a un problème. Je risque pas de l'éclater comme ça. Si je compare aux autres, à mon avis, il faut un 300. Comment je peux arriver à 300 sur ce truc-là? Pas avec ça. Alors, si je fais 100 feet, combien il coûte 100 feet? 530 millions. Ah, c'est pas la même. C'est pas la même, c'est pas la même. D'accord. Shadow Rocket Launcher. Et si je mets un Rocket. Quoi, du secours, je rage. Ok. Là, ça parle. Il y a même. Ça, il faut faire un max de dégâts. Mais le truc, il doit. 132 HP toutes les 2 secondes. Là, on est à combien? Shield Boost Rate. On est à 66. Oh, mais pas pendant longtemps, hein. Oh là là, ouais, j'aimerais bien le faire ce Serpentis là. Surtout que j'ai un Hawk. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que j'aille fit un Hawk en fait. Il faudrait que j'aille le fit comme il faut. Bah ouais. Faire ça. Hein. Faire ça. Allez, je vais aller chercher le Hawk. Je vais aller le fitter. Je vais le fit et je vais. Est-ce que je le fit comme ça? Clairement pas, parce que déjà le shield booster. Ah, le shield booster. Ouais. Et là en défense, on est à... là on est à 66. Alors c'est vrai qu'au niveau des fenêtres, non, ça non. Je me mets comme ça là, voilà. Au niveau des là, on est à 320. Enfin, ça c'est le sien de. Donc c'est le feed de Twini, hein. Twini que je remercie encore, hein, de toute façon. Attends. C'est lui qui m'a fait découvrir les burners. Et moi le mien, enfin, ça c'est pas le mien. Là, il est à 66 HP seconde et on va et 324 et encore il n'y a même pas ça du Spike Javelin 348 DPS 348 DPS alors il y a du Stasis mais ouh parce que les ah ouais les roquettes 13 km il faut le garder proche quoi le truc en fait. Donc la clé c'est ça. Mais si je regarde le mien de fit, donc là on est à 348. Je l'ai rebougé ma fenêtre, non? Oui, je l'ai rebougé. Là on est à 348 pour 66 et sur le mien, qui a rien à voir, hein. Qui a rien à voir. On est à 71. Donc au niveau du tank, a priori c'est bon en le laissant comme ça. Mais il est pas du tout, il est pas du tout fit pour faire, ça n'a rien à voir. En fait. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Là, rien à voir. Mais là, j'ai un capa stable, mais les dégâts, ça va pas du tout. Je crois que celle-là, en fait, c'est celle que j'avais essayée. Je l'avais essayée avec celui-là. Il arrivait, j'arrivais à tanker. J'arrivais à tanker, j'arrivais pas à le tuer. Donc en fait, il faut pas partir sur les light launcher. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Première chose à faire, on va le chercher. Hop. On va le chercher. Et on va aller le modifier le fit en fait. Qu'est-ce que je prends? Une shuttle. Hop. Une shuttle. Et on va chercher le hawk. Alors je vais modifier ce fit là. Donc bah déjà on dégage ça. Ensuite, on dégage. Il faut que je regarde sur en quoi il est. Quoi il est censé taper l'autre. Est-ce que j'ai un Riggs là aussi? Ouais, mais c'est du kappa, machin. Donc, il faut dégager ça. Passer en roquette.
Mais c'est même pas du polarized, hein? Non, c'est du rocket launcher d'eau, d'accord. Rocket launcher, alors 1, 2, 3, 4. Ensuite, si je regarde à combien que ça tape là, l'histoire avec des. À quoi il est censé taper là? Du scourge. 234 DPS. Après, qu'est-ce qu'il a en bas? Ah ouais, il y a du balistique en fait. Donc on enlève ça. Du balistique, qu'est-ce qui va rentrer là-dedans? Ouais, ça c'était sûr. Y a rien qui va rentrer. Ou alors si, il faudrait rentrer du. Y a pas de duplex là? Il est où? Ah si, il est là. Le duplex. Évidemment, le duplex y rentre. On est à 328 DPS et y a pas. Là, niveau DPS, à mon avis, ça suffit. Là, faut attendre. À mon avis, ça suffit. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut arriver à le choper quand même. C'est pas du tout un feat qui a rien, tellement rien à voir. Là, j'ai quoi? J'ai un truc pour les dégâts là. Ouais. Putain, mais je suis loin. Je suis à 9 jumps du hawk. J'avais pas fait attention en fait. De la kinétique thermal, donc là ça n'a rien à voir, il n'y a même pas d'afterburner en fait. Oui, ça a vraiment rien à voir. Je sais pas vers quoi je pars moi. Parce que rien que là déjà, faut acheter les deux balistiques en full duplex ici, ça doit être... J'allais dire, ça doit être 50 millions, mais 50 millions c'est le prix à Gita. Là, 78 millions. Oh, j'ai bien un vaisseau à dépouiller, non? Je peux pas le trouver là, quelque part. Wow, les duplex. Est-ce que j'en ai quelque part? Oui, j'en ai deux là-bas. 9 jumps d'ici. Ça va me faire une chier de jump d'aller-retour là. Wow. J'en ai deux, faut que j'aille chercher là-bas. On va regarder, je vais continuer à regarder le fit. Hein. Pour regarder le fit déjà, de toute façon. Admettons que je mette deux duplex. Donc au niveau des PS, on est à peu près bon. Qu'est-ce qu'après il mettait un railgun en 150 mm. Ah oui, c'est sûr qu'avec 250, faut pas qu'il bouge beaucoup. Mais tu même pas ça va rentrer, moi ça va pas rentrer avec 3 de CPU là, 8 de CPU. Tourelle, Railgun. Oui évidemment, ça rentre absolument pas. On peut mettre autre chose hein, déjà. Je pense que c'est déjà pas mal. Après je peux pas mettre de munitions Tech 2 là-dedans pour que ça tape vraiment mal. Que ça fasse vraiment mal. Parce que ce qu'il y a c'est que du coup j'ai passé de 328 à combien? À 335. Admettons. À 47, ouh. 347 en DPS, ça suffit. Le range, c'est quoi? 13 km, c'est comme les roquettes. Tiens, c'est que faut. Si lui mettait 2. Ouais, c'est ça, 2 stasis. C'est qu'il doit falloir vraiment bien le. Contraris, hein. Là, au niveau d'épaisse, on est bon. Ça, c'est sûr. 347, ça suffit, en fait. Ça suffit large. Parce que là, c'est un... C'est un agent. C'est pas une team où il y en a 4... enfin, où il y en a... Où il y a les deux supports, plus celui du milieu qu'il faut buter. Où ça demande à faire quand même une certaine quantité de DPS. Et où... Enfin, ne serait-ce que pour virer les supports. Au moins un support. Et après, on peut mettre le 2. Ou enfin buter les deux si on n'en fait pas assez et après buter
le principal. Et si on en fait suffisamment, comme là avec le Hawk, moi, enfin le Burner Hawk, j'ai pas besoin de buter les supports, lui je peux le buter directement. Les supports, ils n'arrivent pas suffisamment le soigner en fait. Mais là, c'est pas pareil, il n'y a pas de support. Bon, alors, il y a sûrement, il tank, mais déjà 347 pour une frégate, ça pique. Hein, en DPS, ça pique, hein, c'est pas mal. Bon, c'est une frégate Tech 2, d'accord. Maintenant, ça va pas du tout parce que. Qu'est-ce que j'enlève si j'enlève quelque chose? Parce que là, si le Kappa a dû le Kappa de toute manière. Les DPS, c'est bon. Donc, on va dire en haut, en bas, on touche pas. C'est les mid slots en fait. Et les rigs. Là, il y a un Kappa en rigs. Qu'est-ce qu'il a là? Il a mis du kinétique et du thermal. Moi, j'ai du Kappa et du. Oh la vache. Combien ça vaut le Kappa si je dégage ça? 3 millions. Pas la fin du monde. Un peu con de le dégager. Faudrait que je puisse trouver une alternative quand même. Si j'enlève ça, je passe à 329 de DPS. C'est pas terrible. Hein. Et si j'enlève un. Duplex, je passe à 300. Ouais, non, vaut mieux que j'enlève à la limite. Je pourrais presque enlever le ça. Ouais, je pourrais presque enlever un des rigs là. Et mettre un. Là après, il y a quoi? Il a du capacitor booster. Bah, à la place du cap rechargeur, en fait, un cap booster alors. Ouais. Et à la place de ça, hop. Et à la place de ça, un rig, du coup. Qu'est-ce qu'il y a qui est en bas qu'est-ce qu'il faut? Kinétique, thermal. Bah kinétique alors. C'est-à-dire, hop. Module. Là. Bon, je pense à mettre ma fenêtre un peu sur le côté, que ce soit pas dans le floutage, en fait. Alors, il y a une partie qui est quand même dans le floutage. Bon, c'est comme ça. Un rig. Kinétique. Shield. Kinétique en tech 2. Ça vaut même pas cher, 2 millions. Donc là, on est à 86-86. S'il tape en kinétique thermale, déjà, il y a de quoi encaisser un peu. Un minimum. Ensuite, est-ce qu'il y en a besoin de l'afterburner? Il n'en a pas là. Bon, j'enlève l'afterburner. Ou je mette un deuxième stasis. Mais ça, c'est un truc. Une vague à 10 km. On peut le surcharger un peu. Pas sûr que ce soit très. Combien de temps on puisse. Je sais pas combien de temps on va pouvoir. On peut les recharger, les surcharger. Ensuite, engineering. Alors, capacitor booster. Small. Voilà, ça en prend du. Ça en prend du CPU, ça. Un cap booster. Alors, si j'y mets du coup des charges dedans. J'utilise jamais ces trucs. Ça fait 8 mètres cubes, hein, 200. Et combien il avait mis lui à la base? Des 50? Là on est stable. Avec des 50 c'est stable, il n'y a pas besoin de plus. Ok, stable. Et j'ai un slot pour un autre. Bon, il faut que je monte dedans. Je vais aller. Faut que je monte dedans déjà. Alors, il est là, hop. Ça va pas me. Non.
Je sais pas ce que je fais là. Donc cap booster, et puis après ce qu'il me faut, en fait, dans l'absolu, ce qu'il me faudrait, parce que qu'est-ce qu'il a? Un gros bouclier kinétique, en fait. Kinétique, kinétique, mais là on est déjà bien en kinétique, en tant qu'en comme ça, à mon avis. Même en le surchargeant un peu, c'est pas mal. Mais même comme ça, en fait. 80%, ça me semble pas dégueu. 86, là, ça me semble bien. Ce qu'il faut, c'est deux stasis, alors. Du coup. Après, niveau kappa, est-ce que j'enlève ça? Non. Autant, ça passe pas et je vais y laisser 275 millions, hein. Un peu, c'est sûr, c'est un peu contrariant ça. Et il me reste un truc pour un stasis, mais du coup, stasis de faction. Alors, qu'il faut un stasis de faction pour les garder à moins de 13 km. Qu'est-ce qu'il me dit l'agent? Ouais, j'y suis pas du tout. Tu parles. Anomie 4 gens. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit seulement les frégates. Les survivants disent qu'il aime orbiter à ses opposants à peu près 10 km en les tenant en place. Donc, il stase et il scramble. Stasis Scramble. Qu'est-ce que je peux y mettre en... Electronic Warfare, Stasis Webifier. Ouais, mais si c'est après des trucs à 50 millions, que je suis même pas sûr de le ramener le vaisseau. De toute façon, le range, après, c'est quoi de toute façon? Qu'est-ce qu'on a en range? 10 km, et de toute façon il n'y a rien. Le fleeting 10 km, de toute façon 10 km. Après les trucs de faction, ouais, c'est plus. Alors ce que j'essaye avec 10 km, s'il y a celui-là qui est dessus, c'est pas pour rien, j'imagine. C'est-à-dire qu'autant lui il stase à plus que. Ouais, mais si je le surcharge, peut-être que j'arrive à le choper. Est-ce que je prends le risque? Je sais pas. Toujours pareil. Parce que take 2, donc qu'est-ce que ça fait? Oui, bah ça. Ah, bah je peux même pas en mettre 2. Un compact. Ok, en fait je peux pas en mettre 2. C'est peut-être que. Mais même. Ok. Bon. Ça rentre pas. Ça rentre pas les deux stasis, je sais pas quoi faire. Et puis là, je suis même plus stable avec les 50 en fait. Avec les 75, c'est bon, c'est stable. Sauf que de toute manière, je peux pas changer le. Non. Je vois pas ce que je pourrais changer. Faut que je mette du compact en fait. Alors, faut que je parte sur du compact, mais ça non. Là, c'est du compact en module résiste. Là, j'ai quoi? J'ai un morceau de kinétique. Je suis à 80. N'empêche, le multispectre est pas mal. Je sens de toute façon qu'il va y rester, ça m'étonnerait pas. Le multispectre, voilà, comme c'est
Ça me semble pas mal. 71 HP par seconde, quand même. Ça en fait. Il y a de quoi tanker. Hein. Là, quand même. Mais est-ce que je vais arriver à rentrer un autre Stasis? Compact. Mais maintenant, est-ce qu'en termes de cap booster, ouais, bah ça rentre le genre large. C'est parce que j'ai mis le compact là. Si je mets un compact cap booster et que j'y mets des boosters de 75, ça, oula, faut y mettre des boosters de 100. C'est casse-tête là, c'est casse-tête. C'est casse-tête parce que si les. Si Stas a plus de 10 km. Faudrait que je regarde vite fait sur. Parce que si Stas a plus de 10 km, je vais pas pouvoir le Stas. Et c'est pour ça que là, il faut mettre des. De Gurista hors de prix là en fait. Eux ils tapent à 13 et autant tu peux. Mais bon, c'est quoi, c'est 50 millions le machin? Non, pas ça. Dread Gurista Stasis Webifier. 61 millions avec. Ça ferait 120 millions juste pour les Stasis. Sachant que. Voilà, après c'est presque sûr que je le ramène le vaisseau. Parce que là c'est sûr que je. J'engage beaucoup, sans être sûr, enfin beaucoup. Je suis pas sûr de pouvoir... Je suis pas sûr de pouvoir le ramener, là. Faut que je vérifie, voir... Alors, je vais regarder sur... Qu'est-ce que quoi... Attends. Qu'est-ce que j'ai... Ah ouais, non, j'ai vendu un truc. Ok, j'ai vendu quoi? Pas grand chose. Cargo hold. Bon, de mon bordel que je mets en vente un peu à droite à gauche. Donc je vais regarder vite fait sur le wiki. Le wiki, c'est le burner. J'avais le nom de la mission, le nom, pas le nom de la mission, mais le type tout à l'heure. Dans Opportunity. Daredevil. Daredevil. Donc le Daredevil Burner. Je sais pas si c'est ça. Burner. Si je tape Burner déjà sur Anomic. Alors là c'est Anomic Agent normalement. Et c'est le Serpentis. J'ai déjà oublié. Serpentis Burner. Ok, donc Serpentis Burner. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur... Alors, le meilleur à faire, c'est du kinétique et du thermal. À résister, c'est du thermal et du kinétique. D'accord, bon. Et c'est tout. Putain, j'ai aucune info de... Mission briefing. Ah si, mais non, on m'en fout de ça. Ok, en fait, je sais pas à combien il... Stasis Webifier, up to... 18 km. Alors forcément ça va poser un problème là. Parce que j'imagine qu'il faut mettre les Gurista, les... Je crois qu'il m'en avait vaguement parlé évidemment. Et il doit falloir les surcharger en fait. Je dois même pas arriver à 18 km. Ouais, 13 et surchargé 17. C'est short, hein. Je crois qu'il m'avait, je crois qu'il me l'avait dit, c'est juste, hein. Mais du coup, ça va pas là. Ça
Seule manière que ça puisse aller, ce serait que j'ai le kappa stable. En fait. Pour être sûr qu'en cas de souci, je m'en sorte. Et du coup, comment je vais voir ça? Je vais aller déjà sur Ek. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Ça, qu'est-ce que ça fout là, ça? Je vais y aller comme ça avec. C'est un feat qui a rien à voir. Rien à voir. Le problème, c'est le range, en fait. C'est toujours le même problème. C'est qu'il n'y a pas assez de range avec les roquettes. Bon, faut que je cherche un petit peu le Serpentis, l'agent Serpentis. Est-ce que je vais trouver de trucs qui soient relativement succincts? En fait, je veux juste savoir les distances, en fait. Alors, je vois une vidéo, le mec, il le chope. Ah non, mais attends, le Daredevil, on lui pop dessus. Mais en fait, je crois que le... j'étais allé voir avec une frégate à la con. Et en fait, oui, on lui warp dessus. On arrive, on est carrément à range, en fait. Et lui, il met un feat à quoi? Qu'est-ce qu'il met comme feat? Ah, il le fait en hawk aussi. Abyssal, Stasis ou Abyssure. On chie, hein? Mais si tu arrives dessus, c'est bon, ça suffit à mon avis. On lui arrive dessus. Donc on le stase. Stase en fait. Ouais, de toute façon, si je le fais à ma sauce, je sens que je vais le laisser sur le carreau là, le hawk. Hein. C'est juste que c'est extrêmement cher comme feat en fait. Pas pour ce que c'est quoi. Donc si on part sur une simulation sur celui-là, ouais, on est à 13 km de range. Les DPS. Ah non. Et voilà, je m'étais trompé. Parce que les javelins, c'est quoi, il y a combien de range? Il y a 23 km quand même. Et le niveau DPS, c'est peut-être un peu short. C'est toujours bon d'en avoir dans la soute à la limite. Au cas où ça passe pas. Avoir des javelins et même à la limite de bas de faction. Prendre de la
roquette de faction. En fait. J'allais dire de la courgette. Entre mélanger scourge et roquette, ça allait faire courgette. Oh la vache. Bon. Faut que j'enlève sur ce que j'ai sur le mien qui est pas bon. Et il y en a qui est pas bon. Ça, on dégage. Tout, bah tout en fait, là, on dégage tout. Puisque ça, c'est du light missile. Alors, c'est sûr qu'au niveau range, en revanche, ça, c'est bien. Mais niveau dégâts, ça va. S'ils le font tous... Moi, c'est le range qui m'inquiète. Si j'y mets de le... Courge, Fury. Course Fury, on est à 165 DPS sans module en bas. Il y a quand même un module là-haut. Il faudrait que je mette. Qu'est-ce que j'y mets? Du duplex. Il y a que du duplex qui peut rentrer, d'accord. Génial. Après, le fit là, il est. Il y a l'afterburner et tout. Donc on dégage l'afterburner. Allez. Bon, ça rentrera pas. Et le duplex, j'ai combien? J'ai 43, 21. Ben non, même ça rentre pas. Et là, c'est du compact. On est à 200 DPS. Ça suffirait. Ça peut pas suffire, ouais. Même en y mettant, voilà, Shadow, Serpentis, machin. Non, c'est pas le bon. Ah bah il y en a même aucun qui rentre, bah ouais. Le stasis, non, le multispectrum. Hop, je vais juste regarder au moins pour les dégâts quoi. Mettons deux duplex, 232 DPS. Ça ne va pas, c'est certain, ça ne va pas. C'est-à-dire que... Moi je pense qu'il faut, alors, faut arriver à 300 quoi. Là, si j'y mets un railgun... Il y a autant de trucs qui rentrent que ça là. Un truc qui me laisse un peu de marge, qui me bouffe pas tout. Et là, forcément, le 150, je suis à combien de range? Mais au niveau DPS, c'est pourri. Après, je peux y mettre là-dessus. Je peux y mettre, voilà, genre antimatière, 250, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, donc c'est mort. Allez, on dégage, du coup, voilà, tout ce qui est là. On part en roquette, du coup. Pour elle. Rocket launcher. 1, 2, 3, 4. Tant que j'y suis, je vais mettre aussi. Faut voir ce que j'y peux rentrer aussi. Il y a intérêt à ce que la serpentis, je l'ai souvent après. Bon, après, il n'y a pas que la serpentis qu'on devrait pouvoir faire avec ça. Mais il y a intérêt à ce que je l'ai souvent. Bref. Si j'arrive à la faire aussi. Après, il y a ça. Faut arriver à la faire quoi. Bon, admettons comme ça, admettons, voilà. Le stasis, on l'enlève. Module. Tourelle. Qu'est-ce que j'y mets? Une petite... Faudrait que j'y mette un petit truc, parce que ça sert à rien que je mette un trop gros truc. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait mis, lui, un 150. Mais 150, moi, je vais mettre un 125, voilà. 125 avec... Ici, en... Du scourge rage, voilà. Déjà là, les DPS, là, c'est largement bon en fait. À mon avis, c'est largement bon. Si je me mets 342, 352 même avec un range moyen. Voilà, il y a beaucoup de range. Ouais, non, mais. Au javelin. 352 DPS, là, c'est sûr, c'est bon, c'est sûr. Et puis, ça devrait même pas faire. Ça devrait pas durer longtemps même. Ça fait beaucoup quand même. Sauf que, il n'y a que ça de fait. Il en manque un gros bout encore. Et c'est-à-dire, il manque le tank et les stasis et tout. Et ça, c'est le gros problème, là. On lui arrive dessus. Donc, en admettant qu'en lui arrivant dessus, mes deux compacts. La stase à 10 km.
peut les surcharger un peu s'ils s'éloignent. Alors là, je suis stable. Si ça se passe mal, à mon avis, il peut pas me tuer là. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il me reste? Sauf que oui, là-dedans, il me reste un peu de shield à mettre. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ah oui, mais parce que tout à l'heure, j'avais viré à la baie là. Compact, tac. Je vire ça. Et là, j'y mets un. Un kinétique, du coup. Shield. Kinétique, hop, un tech 2. 85, 86, c'est pas mal. Et je suis pas stable en kappa, si, sauf en coupant ça. En coupant ça non plus. Je peux voir en cas de soucis en fait. C'est lui qui me bouffe. Que si j'éteins tout. Là, je suis pas stable. 4,42, ça suffit pas pour faire une déco sauvage. Et faut être stable pour ça. Donc là, j'ai ça. Il y a toute chose que ça qui rentre là. Donc je rallume tout. Après, pareil, en surchargeant tout, 400 DPS, il y a moyen de lui mettre cher quand même, là, le machin. Si j'enlève ça et que je mets une batterie à la place. Une batterie t'as que 8 minutes, c'est mieux, mais c'est pas top. 5 minutes et la Tucker elle coûte 30 millions. C'est con que j'achète une batterie Tucker quoi. Tech 2 hein. On est à 5 minutes de kappa. Mais si ça passe pas, c'est foutu. Si ça passe pas, c'est juste foutu quoi. Le cas c'est que c'est les duplex qu'il faut que j'achète en fait. C'est ça qui va me coûter cher. Je suis pas sûr de ramener les duplex. Et j'en ai deux, il faut que j'aille les chercher. Je vais le sauvegarder du coup. Alors, Adam Oak test serpentiste. Hein. Bon, je sauvegarde pour la corpo. Alors, acheter des. Bon, il va me falloir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des trucs dans la soute. Bah oui, ça, forcément. Parce que j'ai foutu avec celui-là. Des filaments. Oula, c'est rangé. Drone, munitions, ça va là. Ça, minéraux plus abysses, ça doit aller là-dedans. Est-ce que j'ai du coup des munitions? Ou je vais pas m'emmerder, je vais juste les acheter parce que je dois pas avoir de toute manière. De la roquette. Charge de roquette. Donc là, je vais prendre des deux, je vais prendre du javelin aussi au cas où. Combien? Je vais en prendre 2000. Et des scourges. Attends, il faut taper en quoi? Du kinétique, ouais, c'est ça. Donc, scourge. Ah, je vais en prendre 3000, du coup. Ça va suffire. Ça, il me faut le kinetic shield qui vaut... Hop.
2,5 millions, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas? Ça. Il m'en faut deux. Ensuite, une batterie. Ok, je crois pas que je vais en vente là. C'est des small que je vends. J'en ai en vente. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que. Comment ça se passe si. Alors, déjà. Déjà, ok, 340, 330 du coup. Comment ça se passe si je m'achète un truc, moi? Du coup, je paye que les taxes et ça m'évite de d'enlever mon ordre. Oui, j'ai eu un doute pendant une seconde. Ouais, j'ai eu un doute pendant une seconde. Ok, donc j'ai acheté une batterie quand même. Mais du coup, j'en ai une prise, j'ai pris une que j'avais. J'en suis où? Le fit, il est là. Donc normalement, j'ai tout. Ça, je dois l'avoir déjà. J'en ai acheté un au cas où. Il n'y en a pas. Ouais, sérieux. Il y en a un qui traîne quelque part là, 12 même je dois en avoir qui traîne. J'ai pas le finding. Bon. Si ça je l'ai, il va falloir passer par là. Bon, bah je peux pas en acheter. Qu'est-ce qui me manque, c'est tout, je pense. Donc, tac. Ça, c'est un... Donc, non. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Et ça, on enlève. Et puis ça, on enlève aussi. Et puis ça. Light Missile Launcher, on enlève. Yes. Hop, hop. Et hop. Ensuite, je vais passer par là, je passe jamais par là. Qu'est-ce que j'ai? Kinétique. Hop. Ok. J'ai pas acheté les... J'ai oublié tous les high slots. Bon, je ferai les high slots après. Alors, la batterie. Hop. Ça. Et ça. Ça, ça rentrera pas. Et en low slot, il y avait ça avant. Donc on repart en simulation. High slot. Pour elle. J'avais mis un 125 tout à l'heure. Donc 125, hop. Ok, ensuite. Missile launcher, rocket launcher. Il m'en faut combien? Un 4, hein, c'est ça. Ouais. 4. Ok. Donc là, on est presque bon. C'est sûr de la simu maintenant. Et que je regarde ce que je peux mettre là. Du coup, on a un railgun. Et 4 rocket launcher. Voilà.
Donc on est presque bon, il manque encore en bas. Et là, il y a mis quoi? Ah oui, non, c'est... Bah, et oui, il faut un shield... Ouais, faut de la résiste là. Pour le shield, parce que ça va pas là. Et là, je suis parti sur une batterie, mais... Je me demande s'ils mettent un cap booster, sinon, que c'est ce qu'il utilise là. Plutôt un cap booster, parce que du coup, tu peux pas être stable. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que si je... De toute façon, je suis pas stable. Non, il est pas stable, en fait. C'est-à-dire, je repars en simulation. En bas. En bas, j'ai dit voilà, balistique contrôleur, donc deux duplex, hein, y a pas le choix. Donc là, il y a un tech de. Ah oui, mais parce que j'ai la place là. Ouais. Bon, je vais partir sur déjà deux duplex. Et un multispectrum compact. Il n'y a que ça qui rentre. 8 minutes. Si j'enlève ça. Ah, bah, je suis stable là. Pourquoi je suis stable là? Alors j'étais pas. Je suis stable avec un stasis 60. Ah oh, bah c'est bon. Qui veut dire que là en fait en cas de pépin, j'ai des coups comme un gros salaud. Et au bout de 15 minutes, je sais plus, 15 minutes, le vaisseau il warp out et quand il va revenir, il sera à la gate. Ben du coup, là comme ça c'est faisable. Alors est-ce que c'est les charges qui changent quelque chose? Là non. Et là non plus. Ok. Bon. Ah ouais, alors les charges d'ailleurs. Parlons-en les charges. J'en ai acheté ou pas? J'ai des trucs là. Alors du coup je commence à avoir du bordel. J'avais tout rangé la dernière fois. Donc le multispectrum il rentre pas. Alors ça va aller dans le low slot. D'accord. Hop. Ça va aller dans le munition. Le med slot. Slot. Putain, mais non, c'était pas ça que j'étais censé mettre dans le med slot. Voilà, ça c'est les précédents trucs. Donc du coup, ça sera là en high slot. Là, on a de la munition. Hop, on met ça là. Et puis ces trucs, je sais pas quoi en foutre. J'ai pas skill, tag, rig, munition. Ouais, bon. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Il me manque. Alors. Manque, il me manque, il me manque. Tourelle. Secours, je les ai achetés tout à l'heure. Bah, je viens de les mettre dans les munitions. Courge, javelin, roquette. Secours, rage, roquette. Ça et ça. Hop. On met là. Donc ça, il y aura besoin que de ça. Ouais, il y a besoin que de ça. Tiens, ça je la ramène pour mon Armageddon. J'en ai besoin que de deux en même temps. Et c'est tout. Si les munitions pour la tourelle. Donc c'est du Spike. Alors j'ai aucune idée de la quantité là aussi. Je pense que si j'en prends 1000, il y a largement de quoi faire. C'est quand même une petite tourelle, donc ça va pas en bouffer beaucoup. Ok. On est presque bon, donc si là je sors de la simulation, j'en suis où? Ouais, donc en fait il suffit que je coupe un stasis et je suis capable stable à 71 HP, à 71,9 HP seconde. C'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Et du coup ça me permettra de m'en sortir, il y a des chances quand même. Donc là maintenant ce qui me manque c'est les duplex. Alors je sors de la simu, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai fait?
Il me manque bah, le oui, bah oui. Il me manque le les balistiques, hein, fait chier. Donc si je mets deux duplex, ok. Il me reste ça en CPU et après du coup qu'est-ce que je peux y mettre en shield? Bah, il y a juste ça, voilà. Pas mettre autre chose. Le compact. Qui y a pas ici? Ça c'est fait chier. Je vais aller à Rance, il doit y en avoir. Je vais aller juste à côté. Il doit y en avoir à Rance. Bien que j'en ai forcément quelque part. Attends, hop, là. Voilà, j'en ai ici. Ok, d'accord. Elle est pas mal celle-là. J'en ai un là. Bon, alors ça c'est bon. Et tu vas pas me dire que c'est pareil pour les duplex, hein? Non, mais tout à l'heure j'allais chercher. Il m'en reste que deux. Et ils sont là-bas. Ils sont à 8 jumps d'ici. Donc je sors de la simulation. Ça aura pris du temps, mais au moins après. Je pense que c'est bon. Alors après, je vais me planter, mais. C'est pas impossible. C'est même probable. On verra. J'ai dit que c'était du lot que je cherchais. Non, c'est du med. Du med, on cherche le compact multispectre. Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc si maintenant je repars en simulation, je coupe ça, je suis stable. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Là maintenant je peux même y mettre un petit peu des charges. Les rages, hop, ça et ça. Et on est qu'à 267 TPS, c'est normal, c'est parce que il n'y a pas. Il en rentre un. Parce qu'il n'y a pas les. J'ai quand même. Ah, mais c'est le power grid qui fait que ça passe pas. Je peux en mettre un et un compact. Non. Eh non, il n'y a que le duplex qui rentre là. Il n'y a que les duplex qui rentrent. Donc ça fait un fit à 300 millions quand même. Je crois que ça va être la frégate que j'ai la plus chère. Bon, c'est moins que ce qu'il y avait là sur celle-là. Est-ce que ça va être moins efficace? Sûrement. Est-ce que ça va être suffisamment efficace? Sûrement aussi. Là, je revérifie encore que je sois bien en cap stable. Ouais, quand je. Ah, ok. Bah, c'est bon. Je vais juste mettre. Histoire de voyager. Je vais mettre en low slot. C'est pas passant par là. En low. Et de l'inertie du stable, histoire d'aller chercher les trucs. C'est tout. Les chercher et aller faire la mission. Ah, parce que le compact, il est bien plus compact. Et du coup, ça m'amène à 86-85 de résistance. Et on va faire la route vite fait, rapidement. Moi, je vais AFK 2 minutes. Et je reviens. Et on va faire la route. Chercher les balistiques. Et puis essayer la mission. Hein. On va voir hein, s'il pète ou s'il pète pas. Si elle pète pas, si j'y arrive, ça sera pas mal. Alors, je passe AFK 2 minutes. Alors, attends. J'avais mis un bouton AFK, mais. Mettre ça plutôt. Hop. Alors attends, hop, je recommence. J'enlève le AFK, je le mets en là comme ça. Ah bah là il était censé apparaître l'AFK et il y est plus. Ah c'est parce que il est en dessous.
Voilà. Donc je reviens.
C'est reparti, me voici de retour. Alors, j'enlève le AFK et je repasse là, c'est bon. Salut Darivus, désolé, donc j'étais AFK. J'ai déjà fait, oui, des burners, sauf que celle que je veux faire là, en fait, je ne l'ai jamais faite. En fait, celle que je faisais, c'est simple, j'ai ma petite liste là. En fait, je faisais le Nio, le... En fait, les teams. Toutes les teams, elles sont faciles, elles se font avec log armure, en fait. Ça, c'est les teams, en gros. Ici, on a ensuite les agents. Et après, en bas, en agent, donc, du coup, il y a Serpentis, Gurista, Sancha, et je pense le Blood Raider aussi, en fait. Là, je vais même faire un peu de... Hop, je peux mettre là. Team. Ici. Les agents. Et ici, c'est les bases. Les bases. Et la base, donc les Talos. Et donc, je faisais que les teams. Et une des... Une agent, en fait. Avec un feat de Daredevil qui est rentré. Full tank, et c'est au premier qui meurt. C'est genre au premier qui meurt. Et ça fait un moment que je refuse à chaque fois les autres, quoi. Et là, j'en ai une qui m'est proposée, et j'en ai marre de les refuser, ça. Là, je veux pouvoir les faire aussi, en fait. Donc, on m'avait filé un fit, c'est plus cher que ce que je faisais là, qui était différent. Et là, en fait, je fais un fit. Entre guillemets à ma sauce. Et c'est compliqué à faire. Non, en fait, c'est simple. C'est juste que ça demande quand même pas mal d'investissement. Enfin, non, oui et non. Non. En fait, ça dépend. Dans tous les cas, il y a moyen d'en faire les celles que j'ai montrées là, donc qui sont sur le. Celles qui sont sur le. Attends. Celles qui sont sur mon notepad, là. La Enyo, la Jaguar, la Hawk et la Vengeance, elles se font avec un garmure. Ça, pour bien faire, il faut un garmure. Il vaut pas très cher et il y a moyen de le faire avec un fit. Bon, faut quand même avoir un peu de skill derrière, évidemment. Mais les premières, je les faisais avec un fit à 100 et quelques millions, vaisseau compris, 150 millions, peut-être un truc comme ça. Et du coup, c'est vite, vite rentabilisé. Après, il y a les autres. Ouais, les teams, c'est celles qui sont plus faciles à faire. Moi, j'en ai fait... Ah oui, d'accord, tu connais. Okay. Eh ben, le Nergal, moi, après, je vais skill pour le Nergal, ouais. Parce qu'apparemment, avec le Nergal, tu peux tout faire. Enfin, tous, à part les bases. Mais apparemment, avec le Nergal, tu changes 2-3 trucs et tu peux tout faire avec un seul vaisseau. Alors que là, j'ai le Garmure, j'ai le Daredevil pour celui-là. Et là, il faudrait... là, j'en fais un autre, là, en fait. Mais le Nergal, il faut que je skill pour le Nergal. Ouais. Je vais skiller d'ailleurs là. C'est plus ou moins prévu. Alors attends, parce que là j'en ai d'autres. Ça sera du skill pour vendre après. Bon là forcément je monte le skill Upwell, je le monte à 5. On y est presque, à 6 jours encore. Et après, je pense que si j'ai Galant Frégate à 5 là, ça doit être pour le Nergal ça. Parce qu'après il va falloir les armes pour le Nergal. Du coup c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Mais après je pars sur Nergal. De toute façon ça c'est sûr. Les plex, ils sont à combien là? Ouah, 5 millions 4. Le Nergal. Il me manque du skill. Il me manque. L'un des plus durs, c'est le Jaguar. J'ai perdu le Nergal à cause de lui. Ah, d'accord. Bah, avec le Garmure, il se fait facile. Bizarrement. Alors. Avec le Garmure, en fait, le Garmure, c'est un fit. Je peux te le montrer là. Le Garmure, c'est un fit qui était en Polarized. Garmure. Le Garmure, il est fité en Polarized en fait. Donc il n'y a pas de zéro résiste.
Voilà, tank speed, ouais, tu vois, 3006 et en orbite à 20 km constant. Et je fais discovery pendant ça. Alors, des fois, il m'en met une. Des fois, il m'en met une. Et quand il m'en met une, il arrive à la moitié de l'armor. Il y a tout qui est rouge. Mais il en met une sur. Il en a jamais mis deux de suite, en fait. Il m'en a jamais mis deux d'affilée, donc je l'ai jamais perdu. Mais c'est rare. La plupart du temps, il me touche pas. Il me touche jamais. Et il se fait assez facilement. Enfin, honnêtement, il se fait facilement. Tank speed, hop, orbite à 20 km. J'allume un des supports. Une fois qu'il y a un support en moins, je le fais lui. Puis je le plie. Et là, juste avant, en début de stream, j'ai fait le Vengeance. Bah, pareil, en fait. Garmure, le même fit. Hein. Là, je le change pas. Il y a aussi le burner à pi. Bah oui, regarde, hop, dans mes notepads, en bas. Talos, Harpy, Speed, Micro Hard Drive zigzag jusqu'à la cible, puis Orbite Close avec Afterburner. Et la dernière fois, je l'ai fait il y a. Je ne sais plus quand est-ce que j'en ai. Le dernier, je ne sais plus quand je l'ai fait, il n'y a pas longtemps. Mais l'avant-dernier, j'ai loot un Serpentis Damage Control et puis je ne sais plus quoi. Un autre. Je ne sais plus. Mais j'ai 350 millions le loot. Plus après, bon voilà, 7 millions par BS, le machin, les LP et tout. Oh là là, la journée, elle était faite avec la mission. Mais c'est vrai qu'elle est facile, et celle-là, je l'aime bien. Merci, bon, merci, bah, c'est du bol. Hein. En plus, je l'ai bien vendu après, mon truc. Je l'ai vendu, il doit apparaître encore, il doit pas être très loin. Alors, j'ai fait pas mal d'achats. Hein. Il doit être... Je sais pas où il est. Bah, il est où? Il y a si longtemps que ça. Ah voilà, il est là. Shadow Serpentis Damage Control. 289 millions, je l'ai vendu. Parce que je l'ai vendu avec. Je l'ai bien vendu en plus. Et pff, quand j'ai looté ça, voilà, j'étais content. Et en plus, après, dans une autre caisse, dans une autre épave, il y avait un truc à 70 millions. Je sais plus quoi. Je sais plus. Je l'ai peut-être. Je crois que je l'ai vendu aussi. Bon, je vais pas regarder, mais je suis reparti. La soute, elle était tellement pleine que je suis allé me docker parce que j'étais en live quand même. Du coup, je me suis allé me docker. Je l'ai laissé. J'ai tout déchargé dans la station. J'ai dit, je viendrai chercher ça plus tard. Et après, j'ai continué et je suis revenu plus tard hors stream pour aller mettre ça en station. Et le Nergal, il me manque du coup. Ouais, c'est tout. Attends. La frégate. Mais il le faut à 5, ouais. Précurseur frégate, il le faut à 5, en fait. C'est ça. Ouais, voilà, il le faut à 5. Ouais. Bon, après, bon, 8 jours. Bon, ça va, c'est pas énorme. Mais c'est pour ça que c'est prévu. Et puis après, il faut le truc pour les armes, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Light Anthropique, et ça, pareil. Ben oui, c'est une frégate d'Assaut Tech 2, oui. Armor, désintégrator. Et là, ça, il me demande pas grand-chose. Mais il manque un truc après, là, je pense. Si je vais en simulation, il me dit quoi? Précurseur frégate. Si j'enlève la, hop, les skills. Précurseur tourette, entropie désintégrateur, small. Et faire la spécialisation pour les munitions tech 2. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Que j'avais vu qu'il me manquait, qu'il me fallait, voilà, 13 jours. 13 jours, un peu plus. Un peu plus en montant le skill, on va dire, au moins à 3, l'aspect, quoi. Bon, ça fait dans la journée, probablement. Et c'est tout. C'est tout ce qui me manque, hein. Il me manque pas grand-chose, en fait. 13 jours. 13 jours. Bon, je le ferai, mais maintenant, mais si tu me dis que t'as perdu je la ferai que pour celle que je connais pas, parce que celle que je connais, ça marche du tonnerre avec le garmure. Je l'ai de toute manière, donc autant l'utiliser. Je vais aller chercher mes trucs.
Donc je l'ai, donc je l'utiliserai, mais celle que je connais pas, ou que je pense que je les ferai peut-être avec, je les ferai sûrement avec le Nergal. En fait. Et je voudrais pouvoir les faire toutes, à part évidemment les bases, quoi. Voilà, déjà j'en fais une bonne partie, c'est pas mal. Mais il y a un agent avec lequel j'ai un peu trop déconné pour avoir pour avoir la mission en fait. Et elle veut plus me parler. Elle veut plus me parler. Je refusais, j'avais pas. Alors que de refuser les anomiques, ça fait pas perdre de standing. Mais quand on les fait, ça en fait gagner. Du coup, j'en ai gagné. J'en ai pas gagné assez parce qu'à chaque fois j'en refusais. La serpentisse, à chaque fois je la refuse. Là, c'est la dernière fois que je la refuse. Peut-être. Mais normalement, ça va passer. Là, ça va être stressant, mais ça devrait passer. Et si ça passe pas, je devrais avoir assez de tank pour faire une déco, un warp déco en fait. Parce que le Kappa sera stable avec 76 HP seconde en fait. Non, pas 60, ouais, quasiment 72 HP seconde, avec quand même des résists pas si dégueulasses que ça. 86, 85. Et capa stable en coupant un web. Donc s'il fait moins de dégâts que ça, bah. Mais moi, que j'arrive pas à le buter. Alors c'est pour ça que j'ai quand même pris. J'ai pris. Hein, j'ai pris du javelin. Au cas où il soit trop loin. On verra ce que ça donne au niveau des dégâts et tout. Alors forcément les javelins ça fait moins mal. Au cas où ils se barrent trop loin, à voir. Là je vais chercher. Je vais chercher des duplex en balistique contrôle en fait. Et après j'y vais. Je crois qu'il aggro donc normalement il bouge pas. Écoute, moi le feat qu'on m'avait passé. Il laissait croire qu'il bougeait beaucoup en fait. Tu vois, Burner Serpentis, on avait filé celui-là. Il y a lui et le Blood, ils bougent pas les deux. Alors c'est vrai que le Serpentis, pour voir à quoi ça ressemblait la dernière fois, j'avais pris une frégate de merde en fait. Et j'étais allé, et c'est vrai qu'on lui pop dessus. Donc on lui arrive dessus, tout comme l'Angel Cartel en fait. L'Angel Cartel, pareil, lequel ouais c'est l'Angel Cartel ouais c'est ça on lui arrive dessus en fait donc là si j'y arrive dessus je stase à mort j'allume tout ce que je peux et faut le temps faudra espérer que ça passe au niveau des DPS je sais que par rapport à tous les autres burners je pense que je suis bon on est sur du 300 quelque chose alors là non parce que j'ai pas les il me manque forcément mes deux trucs que je vais chercher là tout de suite. Il me manque mes deux duplex. Voilà. J'ai dit les deux. Voilà, 323 DPS. Il semblait que j'étais à plus tout à l'heure. Ah non, mais c'est parce que j'avais enlevé ça. 323 DPS, ça doit. Je pense que ça passe. Je pense que ça passe. Et avec un range à 13 km. Et un capa stable si j'enlève un stasis. Et après, du coup, bah, faudra que je me penche sur les autres que je ne peux pas faire. Du coup, alors, tu me disais, c'est le Blood Raider. Ouais, du coup, le Blood Raider, voilà. Alors là, est-ce que je vais pouvoir rajouter le Serpentis dans ma liste de celles que je peux faire? Enfin, et rajouter la description. En mettant, voilà, Hawk. Je mettrais un nom de feat. C'est sûr que j'aimerais bien que ce Hawk-là, je puisse l'utiliser pour aussi un ou deux autres. Hein, tu vois, genre bah, le Blood Raider, par exemple. Mais là, déjà, aujourd'hui, on va tenter celui-là.
Voilà, j'y suis presque. Et après, retour à mon agent. Et les preuves du feu. Pour les faire tranquillou avec le Nergal, généralement, ils rajoutent un pod escapien pour avoir le bonus de... Ouais, bonus de réparation. Puis, c'est... Des feats armor. Ah ouais, puisque c'est des feats... Ah oui. Esclapion, ouais, c'est le, les implants. Ah ouais, sur le Nergal, c'est du feat armor. Alors moi, je suis feat shield, moi. Moi, je suis shield. J'ai l'implant shield et tout. J'ai du cristal. Non, c'est pas là, les implants. J'ai du cristal. Du petit cristal, mais j'ai du cristal. Du petit cristal parce que... Parce que j'avais perdu mes gros cristals. J'avais perdu mes gros cristals en faisant, en voulant prendre un raccourci. Voilà, ça m'a appris à. Enfin, j'avais des, je sais plus la taille au-dessus. L'année dernière, je dirais c'est bon. Ah, plus de batterie dans la souris. Bon, je recharge la souris. Enfin, donc la branche déjà, ça sera pas mal. Donc, du coup, j'ai mis des plus 3 en fait. J'ai pas mis plus gros, mais ça booste bien déjà le shield. Bon, quand j'avais le golem aussi, nickel. Avec le golem pour faire de la level 4, ça allait bien. Et c'est pour ça que là, je tank ça. Alors, le Nergal, il tank armor. C'est tank armor. Ah. Moi, mon truc, moi, c'est... Pour plein de raisons, en plus. Alors, j'ai quand même un peu du skill en armor. Hein. Mais je dois pas avoir autant... Je sais pas ce que j'ai en skill. Hein. Si, j'en ai, forcément. Les skills, c'est ouf. Ah. Alors, les skills, armor. J'ai quoi ou l'upgrade mécanique. De toute façon, il n'y a que ça en fait, non? Après, si, il y a les compensations. Enfin, c'est aussi où les compensations. Alors qu'en shield, bah, j'ai tout. Enfin, j'en ai beaucoup plus, quoi, en fait. Puis sans parler des. Ben, le Nergal, après l'or, c'est les Galantes qui a développé. Donc, c'est. Donc, Galantes, c'est armor. Oui, effectivement. Je sais pas combien il a de slots et qu'est-ce qu'il a comme bonus en fait. Micro hard drive, assaut damage control, report. Remote. Bon, ça, ok. Remote. Bon, ok. Mais sinon, en termes de slots. Et ouais, il en a 3. Il n'a que 3 en haut. Hein, pour faire un tank car shield, c'est un peu compliqué. Faut faire des sacrés choix. Bon, maintenant, moi, je vais pouvoir mettre mes. Ça, je vais les mettre dans la soute, les ramener. Alors, si je zoome sur lui, tu peux voir les petits aigles de Galante sur la coque. Ah bah oui. Ah bah oui, bah oui, oui, bah on va pas le louper là en fait. Je le cherchais là, mais il était au-dessus en fait. Ensuite, on prend les hangars. Hop. Hop, et un. Et deux. Et voilà. Donc là, c'est bon. Je laisse plus rien derrière moi. On va aller chercher l'agent. Il est loin, l'agent. Il est combien, là? Je suis loin, autant. Putain, je suis loin. Oh, attends. On va remettre ça. Je crois qu'ils ont fusionné un Damavik avec un Tristan. Tristan, ouais, qui est un joli vaisseau. D'ailleurs. J'ai fait une route? Non. Donc c'est bon, j'ai tout. J'ai des munitions, j'ai... Ouh. Allez, il n'y a plus qu'à.
entre guillemets. Il n'y a plus qu'à tester le mettre l'épreuve du feu dans 14 jumps, enfin sûrement un peu plus le temps après d'avoir il m'envoie là où il faut aller faire la mission. Merci beaucoup pour ton follow, Darius. Bienvenue à bord. Alors attention, à votre avis, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va pas s'en sortir, le Hawk? Ah si j'arrive à la faire, je crois. Alors ça m'aura pris un moment, parce que là, ça fait, j'ai fait quoi, j'en ai fait une, et puis après il m'a proposé celle-là, et là j'ai dit bon, allez. Oh. Et, bon, le temps de fuiter, machin, regardez, ça m'a pris un moment, ça fait combien de temps? Ouais, 1h43 de live, ouais, il doit y avoir... 1h20 de fit, de voyage, bah surtout le fit quoi. Et j'ai adapté plus ou moins le fit en comparant les DPS qu'il m'avait donné dans son fit avec les DPS que moi j'arrive à avoir avec un fit ouais, similaire. Mais en fait c'est au niveau du tarif aussi, il me revient moins cher. Si ça passe, il revient moins cher. Le truc, c'est que des trucs de faction, machin. Les Stasis, des Webifiers à 70 millions, enfin 70 millions sur REC. Peut-être une cinquantaine de millions à Gita. Voilà, moins cher si ça marche. Après, c'est comme le Garmur. Hein. Le Garmur, il m'avait dit, tiens, avec ce fit là, le Garmur, 600 millions le fit ou 500 millions, je crois. C'est pour ça que j'ai mis un moment avant de me lancer parce qu'en fait, j'ai essayé avec un fit à 130 millions ou 140 millions. Et c'est passé. Alors, il fallait d'abord buter les supports. Mais nickel, en fait. En tant que speed, t'es pas pressé par la vitesse, en fait. T'es pas pressé par le temps, d'une certaine manière. Tant que t'es pas touché, ça va, t'es pas touché, quoi. En fait, ouais, c'était genre ouais, bah, les balistiques control, j'avais mis du Tech 2 ou du Compact, un truc comme ça en fait. Et puis je sais plus quoi, des rigs, j'avais même pas mis du Tech, j'avais pas mis du Tech 2. Donc après, là, je suis passé en full Tech 2 maintenant sur le Garmur, enfin en Tech 2, un peu en faction, mais c'est pas un fit c'est pas un fit très cher en fait. Celui-là, le Garmur, j'ai un fit à, il est pas cher le fit du Garmur. Ouais, c'est quand même une certaine somme, hein, mais. 244 millions. Environ. Et je crois pas en avoir perdu déjà. Je crois que le Garmur. Je crois pas en avoir perdu. J'ai perdu un Hawk. Non, un Harpy. Un Harpy, ouais, j'ai perdu un Harpy. J'ai déclenché une mine. Dans le truc du Talos, j'étais bah, pareil, j'étais en live, je discutais, enfin j'étais pas focus et j'ai pas visé comme il faut pour le. Enfin non, c'est pas que j'ai pas visé comme il faut. J'ai utilisé la touche Q pour lui dire d'aller à un endroit, mais j'utilise jamais ça en fait, je double-clique tout le temps. Sauf qu'une fois qu'il est arrivé là où je voulais qu'il arrive, il s'est arrêté. Et ça m'a fait un peu paniquer parce qu'il faut pas que tu t'arrêtes quand t'as les Talos qui t'allument quoi. Donc après j'ai cliqué vite fait et du coup je me suis rapproché d'une mine. La mine elle s'est déclenchée. Et elle m'a allumé, pas possible. Alors j'ai warp out, je suis revenu, j'ai déco, rien à faire. La mine, elle était toujours, activée et aggro. Mais ça, c'est après avoir perdu. Une fois que la mine, elle m'a allumé, après je suis mort. Mon vaisseau, il a explosé. Je suis pas mort, mais mon vaisseau a explosé. Après, je suis revenu. Je me suis dit peut-être que maintenant elle est plus aggro, mais elle était encore aggro. Bon, bah, c'était foutu la mission. J'ai pas réussi à la faire. Et j'avais perdu, j'y ai laissé un harpy. J'ai déjà explosé tout le cube de mine. Ah ouais? Ouais, si, j'imagine si t'as du range à plus de 10 km, tu peux les claquer en fait. Tout le cube?
Avec des. Quoique non, des smart bombs, ça va pas si loin. Faudrait de la. Elle reste aggro, faut les exploser. Ouais, ok. Bah, à ce moment-là, j'aurais peut-être pu faire ça. Mais j'étais. Déjà, à la base, j'étais pas focus. Donc après, je me suis retrouvé dans. J'ai fait de la merde, en fait. Parce que j'ai explosé, mais j'aurais pu juste ne pas exploser, en fait. Parce qu'après. Après, j'ai quand même cherché, voir. Parce qu'elle me faisait mal, mais pas. Alors, j'ai quand même essayé d'en exploser un, Talos. Mais en fait, non, c'est pas passé. Mais j'ai fait de la merde, j'avais juste. Il fallait juste que je warp out et je laisse tomber. Mais vu que je savais pas comment ça allait se passer, j'ai essayé d'une mauvaise manière, hein, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Alors que oui, leur taper dessus. Je sais pas quel rang j'ai. Après, je dois pas avoir les bonnes munitions sur le. Il faut en avoir dans la soute. Ça peut être utile d'avoir des munitions un range en fait. Du plomb. Enfin non, pas du plomb, là, c'est du Tech 2, donc je sais plus ce que c'est l'autre. Parce que le Talos l'orbite à 3000, ouais, à 3000 mètres avec la harpie. Donc il n'y a pas beaucoup de range. Et on y est presque. Épreuve du feu. Oh, ça m'en ferait une de plus, hein. Un peu faisable, ce serait bien. Ça. Là, j'ai pas encore fait une grosse session, je refuse jusqu'à ce que j'arrive à pas beaucoup au niveau de l'agent. Il y en a une, je suis arrivé à moins 2. Mais en fait, je me suis fait avoir parce que dans la fenêtre, t'as effectif standing. Donc je me dis, ah mais c'est bon, ça baisse pas parce que j'ai le standing de faction à fond. Enfin, pratiquement à fond, enfin je crois je vais être à 9. Je dis ouais c'est bon. Et en fait non. C'était le standing de l'agent qui après du coup. Et après du coup l'agent veut plus parler. Faut que quelqu'un me partage la mission une mission avec elle en fait. Pour que mon standing repasse au-dessus de moins 2. Qu'elle veuille bien me reparler. Du coup je fais avec un autre agent. Mais j'ai plus qu'un. Dans le coin là, j'ai plus qu'un agent de dispo. Bah, je fais avec. Hein. Il y a des fois, de toute façon, des missions normales, t'es obligé d'en faire des missions. Je peux pas faire que de la. Après, de toute façon, je vais me pencher sur les filaments aussi. Filaments, ça, c'est un truc. Tout le monde fait des filaments. Voilà, filaments, filaments. Avec un Gila, là, j'en ai gagné un la dernière fois. J'en ai gagné un Gila. Avec un Gila, au début, ça me semblait cher. Enfin, l'année dernière, en fait, ça me semblait cher. Ouais, c'est 500-600 millions le feat. Oh, putain, quand même. Mais en fait, c'est vrai, quand tu compares à n'importe quel BS, de toute façon, maintenant, même pas 600 millions. Donc, je vais fitter le Gila avec voilà full faction, enfin moitié full faction. Ouais, je vais bien le fitter pour 500 millions, un truc comme ça. On est à 400, j'ai plus la dernière fois, j'en avais un à 400, 450 HP seconde en shield passif. Ça fait costaud là quand même. Je me dis qu'avec ça, tu peux faire du. Parce que les mecs, ils le donnent pour faire du tier 5. Je pense déjà de faire du tier 4 tranquillement. Ouais. Tranquillement, sans être trop stressé. Tu sais que ça passe dans tous les cas. Ça peut être pas mal aussi. Et puis finalement, pour un investissement qui n'est pas énorme.
Allez, c'est parti. Serpentis. Donc, juste je check. Je vais quand même laisser... Ah bah non, bah oui. Heureusement, je check. Hein, n'est-ce pas. Alors, là, j'ai pas fait de rangement ici. Hein. Donc ici, tout est en bordel. Ça, je vais le mettre là-dedans. Ça, je garde. Hop, ça. Hop. On met les duplex. Voilà. Et puis ça, je le fous. Game. Voilà. Donc, il est bon. Si simulation, c'est bon. Si j'enlève ça, c'est stable. J'ai les munitions, c'est bon. J'ai comparé à ce que je mange avec le garmure, je pense qu'il y a largement assez de roquettes là, quand même. Je pense qu'il y en a assez, quand même. Et j'en ai d'autres encore ici ou pas? De la scourge. J'en ai à voir de la scourge, non? Scourgeage, roquette, oui j'en ai. Ça c'est voilà, c'est le stock du garmure. Je vais en reprendre, je vais en reprendre 2000 de plus. Si j'en ai pas assez avec ça, la vache. Allez, 4 jumps avant l'épreuve du feu. Attention. On peut pas faire un... Est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va passer? Ou est-ce que ça va pas passer, pardon? Donc ça, on l'allumera, tac. Le stasis, bah, je vais le mettre sur le même rack, tout ça. Je vais régler un keep at range. Alors attends, keep at range, faut que je le garde le plus proche possible, j'ai envie de dire. Là j'ai un keep at range qui est à 1600. Pourquoi 1600? 1600, ouais d'accord. À la limite, pourquoi pas. De toute façon c'est la roquette, j'en fous. Si j'ai un petit peu le railgun là, mais... Les roquettes, on s'en fout. Donc 1600, le garder le plus proche possible. Vous même faire presque carrément approche en fait. Attention. Putain, j'ai mon live et c'est marqué instable. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si ça vient de ma connexion ou de mon ordi. J'espère qu'au niveau du stream, c'est regardable. Surtout maintenant, pour arriver à l'instant fatidique. J'ai plus de booster. J'aurais pu prendre un booster aussi. J'aurais pu en acheter un éventuellement. Nope, ça va. Ok, d'accord, merci. J'ai pas un booster que je peux récupérer là. C'est quoi ça? Canne résolution, capacitor, non. Ah, waouh, attends. J'ai un Alcyon. Passive fall off, shield capacity, armor. Pourquoi pas? C'est toujours à des moments comme ça que j'utilise. Parce qu'après j'ai quoi? Range? Qu'est-ce que c'est ça? Range booster? Optimal range? Non. Cohérence? Scan? Repairer? Non. Agility? Non. Armor repairer? Shield booster? Sick time? Non. Bah ouais, je pourrais prendre le... Et ça c'est quoi? Cap rechargeur, time réduction 5% du quaif. Ok, bon, je suis stable en capa, c'est pas mal ça. Ah d'accord, ok, c'est cher leur bordel. Wow. Après en même temps, cap rechargeur 5%, je comprends en fait. Mais le Alcyon là, je le prends.
Et ça, c'est quoi? Starblast orange. Bah non, mais c'est celui-là. Attends. Cap rechargeur 5% pour celui-là. Et inertia modifier, ok. Et celui-là, scan résolution. Ah ouais, d'accord. Et cap rechargeur, ok. Oula, scan résolution, ça doit valoir quelque chose. Il n'y a même pas en vente là. Alors, j'y suis. J'imagine qu'il y a une gate. Faut que je me décide. Je vais prendre mon booster. Je vais prendre le booster. Hop. Allez hop, un booster d'activé. Ça fera, ça en fait un peu plus. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. On est pas mal. On est pas mal. Je suis stable du coup. Tout allumé. Avec le booster. Bon, bah let's go. Attention, attention, épreuve du feu, épreuve du feu. Alors. Alors, pas de surcharge. J'allume ça. Il doit y avoir une gate, je pense. Donc résiste en route. C'est bon. Je vais tout y allumer. Ouais, puis je suis stable. On a dit que j'étais stable. Donc à part s'il est neutre, ou ce qui n'est pas le cas. Donc étant stable, je pourrais juste allumer tout. Voilà, tout allumer. Et voir comment ça se passe. Attention, attention. Est-ce que je vais y laisser 200 millions? Alors, peut-être pas forcément 200 millions, parce que... 300. Tiens, 300, mais même mon garmure, il est pas aussi cher que ça, je crois. Le garmure, garmure n'est pas autant. Ah oui, je traîne pour y aller, ouais. Je me dis, est-ce que ça va passer ou pas? Mon garmure, il est à 244 millions. C'est la frégate la plus chère que j'ai là pour les burners. Il y a intérêt à ce que ça marche. Donc, je vais faire un approche, carrément. Approche. Et j'allume tout. C'est parti. Allez, approche, approche, tac, cible. S'éloigne, hein, le bâtard. Il est encore mort. Ah, fini le stase. Ça, c'est pas bon. Eh, ça passe pas. Eh, je peux pas. Il est trop loin, le bâtard. Et si je... J'overload. Mais j'ai quoi en range? En 13 km, je touche pas. Là, hop. Combien de temps ça tient, ça? Ça tient pas, là. Ça suffit pas non plus. Putain, mais j'ai quoi? J'ai les scourges, rage, c'est bon. Eh non, mais... Putain, il tente le bâtard, hein. Oh, la vache. Ah ouais, non, c'est eux qui ramassent derrière, là. Ok. Bah, ça passe pas. Ah oui, j'ai pris du javelin. Oui, oui. Bah, je l'avais quand même, hein, en fait. 44 les dégâts? Mais c'est quoi, c'est... Attends. Ouais, 6 courges, ouais. Mais non, c'est du Nova qu'il fallait, là. C'est du Nova. De 59, je suis 43, là. C'est du Nova qu'il faut, c'est pas du Scourge, en fait.
Bon. Et ben là, non. C'est pas passé. Le secours, c'est pour le Gurista. Putain, mais c'est quel que j'ai regardé tout à l'heure? Eh ben, Burner. Eh ben ouais, ben en fait, c'est sur. Ben c'est parce qu'en fait, sur le wiki, c'est ce qui est marqué en fait. Sur le wiki, est marqué Best Damage to Deal Kinetic. En fait. Du coup, j'ai pris du secours, quoi. Après, je suis pas sûr que ça aurait suffi, hein, de toute manière. Bon, ben là, ben non. Bah oui, ben là, tu peux module run out. C'est mort là. Après, je suis pas sûr que ça aurait suffi vu les dégâts de merde que je lui fais. Et puis bon, l'Origun ne peut pas le toucher. Vu les dégâts de merde que je lui fais, bon, bah là, c'est foutu. Il n'y a pas 50 000 choses à faire, il n'y en a qu'une. Bah, c'est ça. Non, pas le Log of Safety, c'est. Bah, du coup, faut que je ferme le jeu en fait. Tout simplement. Ah ouais, il remonte même son shield. Ah ouais, non, mais parce que je le. Mais là, y a rien à faire là. Ça ne passe pas. Donc, Logos, c'est Fleet. De toute façon, ça marche pas. Hein. Ouais, voilà. Donc là, ça passe pas. Parce que même avec les. Du coup, même si je remets ça là, parce que là, ça a été tapé dessus quand même. Mais ça manque sacrément de dégâts quand même. Si j'en arrête un. J'en surcharge qu'un. Il fait aucun dégât là. Aucun dégât. Non, rien à faire. C'est mort. Ben là, j'ai qu'un kit game à faire. Et puis, il faut espérer que normalement. C'est stable. Voilà. C'est un gros fail. Est-ce que c'est à cause de que des missiles? Je suis pas sûr. Hein. Parce que je trouve que j'y fais quand même vraiment pas beaucoup de dégâts. Genre là. Wow. Putain, mais. Ouais, là, voilà. J'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire. Alors hop, du coup ça vous met un écran noir là, du coup. Peut-être du faction alors. Oui. Je suis pas sûr en fait en plus hein, encore. Pas sûr du tout là. Alors je redémarre le jeu et puis en attendant je vais aller sur à quoi que je peux même pas aller sur un alt en fait là. C'est combien? C'est 5 minutes. Ouais, c'est au moins 5 minutes je crois hein, qu'il faut attendre. Regardez les planètes en attendant. Normalement, les planètes, c'est bon. Je pense que c'est 5 minutes. Combien c'est hein? Est-ce que je peux regarder? Online, log off. Ah, quoi que j'ai pu me connecter avec un alt là. Mais du coup, il a fait quoi de mon perso? Il est connecté aussi? T'as envoyé un lien YouTube, il y a un feed de haut que tu peux comparer peut-être. Après, moi, j'en ai un là, sinon. Et en fait, le truc, c'est que lui, là. Bah, je suis pas sur le bon perso là. Et comment ça se fait que j'ai pu me connecter à la. Perso là, là? Parce que lui, à quel moment je sais que. Il est undocked, mais il est sûrement encore en train de se faire taper dessus là.
Attends, je vais rester. Un lien. Alors, oui. Bien sûr, je veux bien. Après, je te montrerai celui que moi j'ai aussi, en fait. Le Goff Timer Well in Fight. Et en fait, la différence avec son feat, c'est surtout qu'il émet deux stasis de faction. C'est surtout en fait. C'est quasiment là. Après, et deux stasis de faction, et il y met en fait un cap booster et tout. Alors malheureusement, attends, je vais le récupérer, le lien. Je devrais pouvoir le récupérer, il est. Ah non, il est pas là. Ça l'a bloqué le lien en fait. Je peux pas le voir. Ah non, je le vois nulle part en fait. Je peux même pas le voir le lien là. Ça l'a bloqué. Comment je peux faire ça? Comment je fais là? Et du coup, j'ai déco à quelle heure le feed de Hawk, ouais, le feed de Hawk, bah, il faudrait que je le retrouve. Et les liens, on peut pas les mettre là. J'ai envoyé un MP. Ok, ok, merci. Hop, il est là. Alors, Ultimate Guide, oh, je suis tombé dessus déjà. Je vais le mettre aussi. Moi je le mets. Alors si moi je le mets, ça passe. Donc je vais le mettre pour ceux que ça intéresse. Et lui, ah bah oui, mais en début de stream j'en ai parlé de lui. Je disais qu'est-ce qu'il a mis. Ah oui, bah des stasis abyssaux. Ok. Sinon après on est dans le même style de. Presque. Bah, ça ressemble au fit que. Mais lui il a même pas mis de tourelle avec. Et là, moi je sais pas combien de temps faut que j'attende là. Ah si, je sais, c'est au moins 5 minutes, je crois. AI fit. Ah oui d'accord, sur un Google Doc. Ouais. Et en fait, il orbitait là, il orbitait à 11 km. Mais ce qu'il y a, c'est que même quand je le stasifiais, stasé, il faisait pas de dégâts, quoi. Ah, faut que j'attende, là. Faut que j'attende. Moi, j'aimerais bien savoir. Et là, il me met un docked, mais des fois, c'est pas ce... avant, c'est pas ce qu'il mettait. Alors, je vais repartir sur un autre perso. Parce que si je me connecte maintenant, ça va remettre à zéro le timer en fait. Donc j'ai dit je regardais mes planètes. Oui donc le fit. Oui bah on est dans un terme de en termes de DPS on va dire et de tanks c'est bon. La différence c'est le en fait il orbite à 11 km ce bâtard. Enfin en gros, il utilise des Tech 2, mais qui modifie avec des mutations habitales pour espérer avoir plus de 11 km. Oui, parce que là, apparemment, il s'arrêtait à 11, quoi, en fait. Et il était à 11. 11. Et il manque pas grand-chose, en fait. Donc forcément, il manque le peu qui manque. Mais après, niveau DPS, après, je veux bien que j'avais pas les bons missiles. Donc j'ai dit qu'il fallait être en Nova. Bon, les planètes, c'est bon. Je les ai faites tout à l'heure. Elles sont bientôt pleines, ça va bientôt être la récolte. Quelle heure est-ce que j'ai pas un. Lui il a pris du. Ah du scourge. Bah ouais, mais pourtant tout à l'heure, quand on regardait son plus gros trou, c'était au niveau de l'explo, quoi. C'était du Nova. Moi j'aurais pris du Nova. Nova Caldari, hein, à la limite, hein, oui, d'accord. Mais en Nova, quoi.
Ah, mais attends, dans son truc, il y a... Il y a plusieurs burners là en fait. Non? Daredevil. Non? Attends. Ah ouais, Calgary, Nevis, Courge. J'ai pas une heure là, une horaire quelque part, pour savoir à quelle heure est-ce que. Il y a depuis combien de temps est-ce que je me suis déco? Non, j'ai pas d'heure. Bon, les planètes, c'est bon. Ouais, c'est bon. De toute façon, c'est un alt qui sert qu'à la planète. Logoff, ok. On va voir ce qui se passe. Alors, ok, toujours Undocked. Et je sais pas si c'est trop tôt, je pense encore. Je pense que c'est trop tôt. Alors après, qu'est-ce que je fais? La pilule bleue. Alors oui, j'ai vu pilule bleue. Alors tiens, je vais regarder ce que c'est ça. Voilà, je vais me connecter sur lui. La Blue Pills. Non, pourquoi j'ouvre le feed? Non, c'est le market que je veux. Blue Pill. C'est pas cher en plus. Je crois que ça donne du shield. Alors, ça me donner des hallucinations, d'accord, ok. On sait pas trop. La forgetfulness, c'est le pardon. Ça cause le pardon et la bliss. Bliss, c'est la bénédiction. Et ça peut donner des hallucinations. Ah, standard, pile, d'accord. Pas écrire. Standard Blue Pill Booster. Ouais, voilà. Ok, d'accord, c'est pour faire des boosters et tout carrément. Ouais. C'est ça, shield, shield boost bonus 20% tourette optimal range, d'accord. Ok. Ça crée un sentiment temporaire d'euphorie, voilà, ok, d'accord. Et c'est ok, shield boost bonus 20%. Ouais, du coup, tu tankes donc tu perds du. Mais ça, tu t'en fous la capacité, puisque tu tankes 20% de plus. Alors, les tourelles, si t'es en missile, les couilles. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même explosion véné et encore. Et le kappa qui prend. Il prend un peu aussi, non? Ah, ça vaut. Ouais, ça vaut pas trop cher. J'ai. Oui. Intéressant, intéressant. Bon, toujours undocked. Parce que si j'y vais trop tôt, bah, ça repousse. Alors, pas envie de repousser. Bon, je vais en profiter pour un petit AFK de quelques minutes, 2 minutes, hein, je reviens. Fais une petite vidange, bois un coup et je reviens. Baisser peut-être le son, non, il est pas trop fort le son. De cette musique à chaque fois, je trouve que. Voilà, hop. Et je reviens dans 2 minutes.
Voilà, bon, alors, allez, ce coup-ci, ça sera la bonne. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en théorie, je n'ai pas perdu le. Hop, me voilà. Et le AFK, hop, c'est que je n'ai pas perdu le vaisseau. Normalement, c'est bon, là, ça fait. Il y a combien de temps? J'ai pas vérifié. J'ai pas réussi à trouver, en fait. Un. 5 minutes, nanani nanana. Oh, je pense qu'on est bon. Allez. Ça fait. Voilà, c'est bon. Bon, alors. Du coup, on va la jouer comment? Du coup, on laisse tomber là, comme ça. Il me faut, j'ai pas le choix. Il faut du stasis, autre chose que ça en fait. Si je regarde les. Parce qu'au niveau des DPS, dans celui qui m'avait envoyé en fait, c'est celui-là. Bon, là de toute façon, je vais repartir. Je crois que la Fédération il prend à 14 km. Ah oui, quand même. C'est peut-être pas pour rien que du coup. Alors, attends, hop. Alors faire les courses du coup. Là, il a mis le Dread Gurista. 14. Mais le problème, c'est après, c'est le tarif, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'était des Dread Gurista. Donc si je prends le mien. Le problème, c'est ça. Donc. Je les enlève. Et. Qu'est-ce qu'on a alors? Fédération. Alors les. Façon là, pour en trouver là. Je vais regarder là tout de suite. Là les Gurista, les Dread Gurista, ils 13 km aussi. Les dominations, ils sont à 116 millions. Keldari Navy, 55 millions, 13 km. Et donc tu disais les fédérations. 14, effectivement. Ils doivent être bien chers ceux-là. Ah non. Bon après, de toute façon, ici. Ah d'accord, il y en a. Ok, bah, je vais prendre ceux-là. J'avais ça sur le Nergalou. Ok. Parce que là, j'avoue que même au niveau tarif, de toute façon, ils sont pas du tout plus chers que les autres, en fait. Même que ceux qu'il avait mis, c'était des Dread Gurista, qui sont plus chers, en fait, même. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi. Attends. C'est quoi la différence, du coup, entre le Fédération et le Dread Gurista? Ok, ça veut pas s'ouvrir avec Shift. Ouais, c'est un des deux, ouais. Est-ce que je peux les mettre, les fédérations? Non, en mettre qu'un. Après, faut que ce soit autre chose. Non, les deux rentrent. Bon, les deux, ça a l'air d'être les mêmes là. 55-13 km. 55-13 km, tout pareil. C'est les mêmes. C'est les mêmes, les mêmes.
Donc celui-là, 60 millions, tu as 60 millions, tu as 124 millions, ben voyons, 159 millions, ben voyons, et le Republic Fleet, 150 millions, ben voyons. Donc ben on va partir sur un... Bah, un des deux. Un des deux. Déjà, je vais prendre un Fédération. Charles Chopra à 14 km déjà. Déjà, ce sera pas mal. Je vais changer du missile. Je vais prendre aussi des missiles de faction. Et on va retenter. On va retenter tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme missile? Ah ouais. C'est le truc. Charge. Hop. Ah oui, puis je vais virer aussi le 125 mm là. Enfin, après, peut-être quand il est stase, ça sert à quelque chose, mais là, il servait à rien le truc. À rien du tout. Il servait à rien du tout. D'ailleurs, j'ai vu dans le feed. Alors, avec le Nergal, tu burn avec un afterburner et tu le crames. Et oui, là, de pas avoir d'afterburner, je trouvais ça un peu. Et c'est pour ça que ça faisait partie des trucs que je savais pas. À propos de ce burner-là, il y en a plein que je ne sais pas. Et là, je ne suis pas encore sûr de cette histoire de DPS quand même. Faut voir une fois qu'il avec les bons missiles et une fois qu'il va être bien stase. Mais je suis pas convaincu quand même. Hein. Donc les roquettes, qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a Coq, Guriste. Oh, il y en a... ouais, d'accord, il n'y en a pas 50. Et ce sera du Nova. Alors, je sais pas le range que ça a. Bah, ce qu'il y a, c'est que par rapport au Javelin... Que les javelins, je suis à 23 km. Alors le ner... Ah oui, le Nergal, ouais, ça je sais en fait, ouais, que ça, en fait, c'est à chaque cycle, à chaque fois que ça fait un cycle, ouais, ça augmente le DPS avec le temps. Et de base, tu commences à 100 ou 140, mais après, je crois, tu tapes dans les 300 ou 350. Ouais, ça je sais qu'il faut que ça fasse des cycles. Et au fur et à mesure, ça tape de plus en plus fort. Ouais. Je crois qu'ils montaient à presque 500, mais une... ils ont fait une mise à jour. Ah, d'accord. Ils l'ont peut-être un petit peu nerf alors. Le... Ah, oui, d'accord. Il. Au plus de cycles peut-être. Ouais. Bon, apparemment, ça reste quand même encore efficace. Hein. Commencer par ah, qui fait que tous les Triglavians ont pris un gros coup. Ah oui, d'accord. Alors, je n'ai pas encore piloté de Triglavians en fait. Ok, donc tout est réparé. Donc ça c'est bon. Ça on dégage. Ça on dégage. Autant j'ai changé de région, il n'y a même plus les tarifs que j'avais regardé tout à l'heure là. Donc on a dit le Fédération. Oui, si, ça. Le couteau suisse, c'est le vaisseau Triglavian, le Vedmak. Ah. Bon, bah allez, 50 millions. Fédération Navy, hop, alors ça y est, voilà, 14 km. Sauf que ça suffit pas.
Ouais, les Triglavians, c'est un truc que j'ai jamais encore piloté en fait. Du tout. J'ai aucun skill en Triglavians. On a dit ça. Ah oui, les munitions après. Et puis la tourelle aussi à dégager, je pense. Mettre un truc plus petit là. Je suis encore en simulation parce que là, il me. Qu'est-ce qui peut rentrer? Ça dépend. Red Gurista, il est à combien ici? 61. Et le Kaldari. Il y en a un, il est pas trop loin, 5 millions de moins. Je vais aller le chercher. 5 millions, c'est 5 millions. Pensez à regarder les munitions. Quoique les munitions, en fait, non, mais non. En fait, c'est parce que c'est pas bon, là. C'est pas du Scourge qu'il faut. C'est du Nova. Après, les factions, là, je suis pas convaincu par les factions. Il n'y a pas beaucoup plus de DPS et il y a guère plus de. Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris en fait. C'est leur explosion Radius peut-être qui est différent. C'est le truc. À la limite, je peux en prendre de plein. Et puis essayer, puisque de toute manière. Alors apparemment, tu peux pas 9 km de lui, ton approche, tu vois, bah donc, il fait du. Et du DPS à un coup 150 et un coup 250. C'est l'application. Ok. Là, les munitions maintenant. Ah oui, non, j'ai dit la tourelle, je la garde cette tourelle ou pas? Ça sert à rien, cette truc. Et si je l'avais viré avant, je pourrais rentrer peut-être. Attends. Con aussi, moi. Ça rentre là. Sauf que je l'ai acheté l'autre. Alors c'était le même prix, donc alors ça va. Qu'est-ce qu'il y a qui un tourelle qui rentre encore là-dedans? Un blaster? Le blaster. Non, attends. Ah oui, il n'y a que du blaster qui rentre. Ah non, le raygun. Ça rentre? Ok, ah bah tout à l'heure j'étais en quoi? En 100. Ah bah 1,75 Railgun 2. Tac. Est-ce que ça m'apporte quoi? En range j'ai quoi? À combien il va être? Il va être plutôt à. Donc je vais plutôt prendre du. Ça. Ok, donc ça. Ça, je vais en prendre. Je vais en acheter. Je sais pas combien. 2000. Des roquettes. En Nova. Nova Rage. 3000, ça devrait suffire. Hein. Des roquettes Nova Rage. Okay. Des roquettes Nova Javelin. Je vais en prendre quelques-unes aussi. Des roquettes de faction Nova, Kaldari Navy. Hop. Voilà. Et du Dread Gurista en Nova. Hop. Il n'y en a pas, d'accord. Et du Gurista, il n'y en a pas non plus. Tout à l'heure, tu me disais que l'autre, il mettait sur son. Attends, je vais remonter dans le chat, je vais le trouver.
Scourge, Caldarin et lui. Je vais en prendre. À la limite. Voilà, Scourge, Caldarin et lui, Scourge. Hop. Et il y a le temps de les essayer en fait. Une fois que c'est parti, vu que ça tient, bon bah il n'y a qu'à essayer. Je vais en prendre 2000. Voilà. Une fois que c'est. Il n'y a qu'à tester. Ah, tiens, cette munition c'est mieux que celle-là. Celle-là c'est mieux. Là ça touche pas. Il n'y aura pas trop d'inquiétude là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pris en munitions? Oh putain, ici j'ai du bordel. Non, ah, non j'ai pas de... J'ai pris du spike. Je vais prendre du javelin aussi. Au cas où. Et. Il me faut. Ok. Là, je l'ai dégagé, le truc, c'est bon. Ça, je le mets là. Pike, hop. Tout mettre ça, mettre tout ça dans la soute. C'est-à-dire ça, 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 ça. Scourge, on va attaquer. Bon. Hop. Bon, là il y a de quoi faire. Il y a du Nova, Nova, du Scourge, du Nova. Attends. Oh, il y en a tellement de. Caldari en Nova. Non, Caldari Navy en Scourge. Caldari en Nova. Ah, sinon, peut-être qu'il faut que tu montes les skills de support pour les missiles. Les skills de support pour les missiles. C'est skills de support pour les missiles. Je sais pas desquels tu me parles. Là. Je vais aller chercher mon stasis, qui est je sais pas où là. Là, non. Ah non, c'était à 4 jump, c'est là. Alors, je pense que ça, ça, ça devrait être monté, ça. Je vais vérifier, attends. Ça, ça doit être fait. Missile, alors. Il y a la Rocket Spé que j'ai pas à fond. Qu'est-ce que j'ai missile bombardement. Il est où? Il est là. 5. Non, j'ai que... enfin, je vais pas dire, j'ai pas tout à 5, mais il y en a à 5. Ouais, 5% de dommage, ouais, ouais, je sais, ouais. Et là, bah, du coup, il est qu'à 4. Ça, il n'est qu'à 4. Après le reste c'est pas mal, on voit juste que les torpilles j'ai vite abandonné. Sinon la plupart sont à 5 hein, quand même. Donc on a du Nova Javelin, oh, la liste que ça va faire là. Et on commencera avec les... Il y en a trop, j'arrive même pas à savoir. Avec les Caldari, Navy, Scourge. Ouais, voilà. On va commencer avec cela. On commencera avec ça. Bon, du coup, range 14 km. Bon, bah voilà, ça ce sera un... Ça aura fait un stream vite de... Ouais, c'est pas fait, hein. Et il est pas... Il est encore en train de tourner, le Daredevil. Donc faudrait quand même arriver à la faire. Quand même. Parce qu'après, pas perdre le vaisseau, ça c'est bon. Le vaisseau, je le perds pas. Mais pas arriver à faire le truc, bon. Après, là, j'ai encore moins envie de le perdre, hein, maintenant. Parce qu'autant le harpie,
C'est un feat à 50 millions. Le harpie, c'est rien du tout. Tu fais un Talos à côté. Enfin, dès que tu as fini ton burner Talos, le harpie, il est payé, quoi. Là, lui, c'est pas la même. Il va falloir en faire quelques-unes des Serpentis. Bon, je prends le Stasis hors de prix. Je pense que si j'avais fait ça hors stream, je l'aurais pas acheté. En fait, c'est juste là pour le, voilà, c'est pour la science et tout, mais hors stream, je pense que je serais pas allé jusque-là. Voilà, c'est rentré. Après, je sais que sur le long terme, ça va me rendre service parce que il y aura au moins un burner de moins que je refuserai. Ce qui fait que je refuserai pas. Ce qui fait que je gagnerai du standing, plus de standing. Au lieu de. Enfin, je rééquilibrerai plus les refus de mission, en fait. Forcément. Alors, undock. J'ai mis du temps pour undock. Et on est à 11 jump. Eh bien allez, c'est parti. Hein. On va pas se laisser abattre. Hein. Et là, les munitions, j'ai du javelin. Et de... Ok, bon, ben là, c'est pire. Alors, le choix des missiles, bon, enfin, le choix. Il y a faction, pas faction. Qu'est-ce qu'en plus, c'est à moitié mélangé là? C'est classé par quoi là? Du coup, il y a de l'explo et du kinétique. Et il y a du faction, pas faction. Et il y a du Kaldari Navy. Et puis il y a celle qui est chargée dedans aussi. Ouais, il y a du Tech 2, il y a du Javelin et du Rage. Et il y a du. Ouais, enfin, il y a un peu de. Il y a un peu de tout. Enfin, un peu de tout. Et si c'est à chaque fois ça pour en faire une, le burner, là, pour en faire une nouvelle. Ça va être ça la prochaine, du quoi, le Blood Raider. Voilà. Blood Raider. Bon. Pour au final finir avec un feat quand même cher. Je suis à 400 millions là. La vache. Que le garmure, ouais, c'est sûr, c'est pour quelqu'un qui veut commencer à faire les burners, faut commencer par le garmure, quoi. Faut quand même en faire. Et ça te coûte pas un bras, quoi. Faut du 230. Bah, je suis bon, je suis à 100 plus que ça. C'est pour ça que je pensais que ça pouvait passer. Mais oui, il y avait. Bon là, t'es obligé que ça passe là. Si ça passe pas là, déjà ça va me gaver.
Attends que ça passe le shield. Mais le shield, je l'avais. Il est tombé en deux secondes en fait. Il tank pas du tout le shield. Il est tombé vite tout à l'heure le shield. Mais l'armor après, pff, rien à faire, ça bougeait pas. Donc je suis en Scourge Kaldarin Heavy. Ok. Alors là, il me donne 223 DPS. Moi, je serais pas parti là-dessus. Hein. Moi, je serais parti sur le Nova Rage. Voilà. Nova Rage, là, si je mets en Nova Rage, là, il me dit combien en DPS. 206, what the fuck. C'est quoi le problème là? Il me manque pas 100 DPS par rapport à tout à l'heure. Ah mais c'est parce qu'il y a un bonus pour le Scourge. Sur le Hawk. Kinetic, ah ouais, 10% bonus Kinetic Light Missile en roquette. D'accord. Ok, donc Andy Kaldari, Navy Scourge. Attends, mais si je me mets juste en Scourge. Ouais, mais oui. Et du coup, je suis à 300 quelque chose. Mais tout à l'heure, c'est pas ce que j'utilisais. Si. Bon, on va pouvoir faire des essais là de toute manière. Il n'y a pas à stresser en fait. Ouais, mais là, écoute, on va vite voir. Ça y est, j'y suis. Ouais, après il y a le range. Ouais, mais là, le. Attends, là je suis en secours, je suis à 13 km. 13 km. Tout à l'heure il orbitait à 11. Il me gardait à 11 km. Donc, on allume ça. S'il était à 11, pas sûr que ça arrive à coucher. Alors. Avec le Garmur, tu vois, le Garmur, quand j'ai 22 km de range, à 23 km. Oui, mais justement, ça le prend en compte, là, quand on regarde, là, en fait. Quand on regarde sur le launcher. Max Flight Range, 13 km, en fait. Ça prend tout en compte, en fait. Les skis, le machin. Et avec le Garmur, 22 km, quand ça me met 22 km en range, des fois, quand ça me l'affiche que lui, il est à 23 km, parce que des fois t'es un peu gêné par les autres vaisseaux ou quoi. Là, 23 km ça passe quand même, mais pas toutes les roquettes. Il y en a quelques-unes qui arrivent pas quoi en fait. Donc du coup tu vois qu'il y a mais là là normalement c'est bon là, normalement c'est bon là. Bon allez attends, j'ai mis les Kaldarin Heavy Scourge roquette. On met cela. Tout à l'heure tu disais cela. Ok, on essaye cela. Et puis c'est ce que dans la vidéo là, c'est ce qui mettait le gaz. Ça. Donc, Kaldarin Heavy Scourge Roquette. Alors, j'espère pas que. Ce qui me fait peur, c'est que. S'il faut avoir ça,
Ça veut dire que les stases là, à 13 km, ça va pas passer. Quoi. Enfin, heureusement, il y en a un à 14. Mais ça. Bon, on va voir. Tac, ça c'est bon. Là, je suis. Ok, c'est bon. Let's go. Deuxième essai. Ah bah oui. Tac, tac, tac. Alors là, je l'ai. Les stases, ils le chopent. Ah, ça descend peut-être, oui. Ah, ça descend. Ah, ça descend. Ah, et. Ouais, ça descend. Là, c'est bon. Ah, ça descend. C'est bon. Là, je pense qu'à ce rythme, c'est bon. Plus qu'à attendre, là. Faut être patient. Oui, ah, mais c'est bon, regarde, hop, il est à 50%. Ah, là, écoute, voilà. Alors, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Tué. Putain, là, il est 3h du matin. Faut pas m'en vouloir, je suis fatigué. 3h15, la vache. Mais c'est bon, ouais, on y arrive. Eh ben, putain, ça aura pris un moment. Ça aura pris pas mal de. La différence de faction. Alors, attends. Est-ce que j'essaierai pas avec la. J'essaye avec les normaux, du coup. Et avec les. Donc les scourges rage. Voilà, juste les scourges rage. On perd rien, c'est pour la science, du coup. Intéressant. Hop. Qu'est-ce que ça va y mettre? Et en fait. Attends, j'ai vu du 7 DPS, 8 DPS, what the fuck. Enfin, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure si ça faisait pareil aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Bon, ça marche aussi. Alors, je remets Kaldari Nevi. Kaldari Nevi, ouais, pour profiter des boosts du. Est-ce que le Railgun il sert à quelque chose? Non, il rate constamment en fait. 150, eh oui. Il rate constamment. Il sert à rien le Railgun. Ah, et là il y a des 8. Des 6. Comment ça, blip blip blip? Ça m'a fait peur là le. Capacitor à stable à 28%. Ah oui, du coup, il a sonné à 30. Allez, allez. Ah oui, là, on y est, là. Ah oui, il va falloir recharger d'un coup, là. Ah, ça y est, il a la structure qui s'affaiblit. Bon, il y a un coup de recharge. Il est long à recharger.
Bon, le Kappa, tu vas faire que ça. De toute façon, à 28, ouais, il est même pas arrivé en bas. Ouais, la tourelle, elle sert à rien. Elle a pas touché une seule fois. Oui, la tourelle, sinon. Mais là, ça y est. Ah, ça y est, ça y est. Attention. Et voilà, ouais. On y est arrivé. Merci, merci de ton aide, d'arriver. On y est arrivé. Ah oui, un beau petit loot, ce serait bien, là. Ce serait mérité un peu quand même. Ce serait mérité, je dirais. Bon, alors je vais pouvoir faire ma petite note. Voilà, bon, je vais m'en souvenir. Là, je crois que j'ai pas besoin de la note, là, je vais m'en souvenir. Mais on va pouvoir le rajouter quand même dans la note. Du coup, le serpentis, tu vois que j'avais mis le point d'interrogation en fait. Ouais, et bah le loot, bon, bah non, bah tant pis, ce sera sans loot. Malheureusement. Alors, le Serpentis. Hook. Je vais mettre Stasis. Hook Stasis. Scourge Nevi. Scourge Nevi, hein, c'est ça. Scourge Caldari Nevi. Scourge Caldari. Octasius Kous, Caldari, puis c'est tout. Ben, je crois. Ouais, Stasis, c'est Fédération. Hein. Ah, ils sont bien ceux-là, c'est vrai que. Stasis Fédé. Des... 14 km. Comme ça au moins, voilà. Je cours Scaldari. Et la tourelle, elle sert à rien. En fait, elle sert à rien du tout. Elle a servi à rien. Faudra mettre une plus petite. Et, je sais pas. À jeter, ouais. Sinon, à jeter, tout simplement. Voilà. Ouais. Reprocess. Non, une plus petite, ouais, voilà ce que je disais, une plus petite encore, une 50. Ouais, c'est quand même étonnant, 213 de tracking, qu'elle n'arrivait pas à le toucher, quelle que soit la mune en fait. Alors, sachant qu'il était quand même stase, bien stase, un peu étonnant. Bon, bah du coup, c'est très cool. Un Serpentis de plus. Il en reste encore. Enfin, un agent de plus. Bon, je pense qu'il y a une base de toute manière, peut-être maintenant. Là. Avec le Hawk, là. Il y a probablement une base pour le reste. Au moins un autre. Peut-être pas les trois. Et. Pas les trois, mais peut-être un des trois. Je sais pas, le Blood Raider. Ou... J'ai dit au hasard, de toute façon. Donc. Mais là, il y a une bonne base. Déjà. Mais déjà, c'est très cool. Au moins, je sais que le Serpentis, maintenant. Bientôt, je vais faire une bonne session de. Parce que c'est sûr, quand tu peux les faire presque tous, tu peux refuser. Tu peux faire quasiment que ça, en fait. Pas que ça, mais du coup à chaque fois que parce que tu refuses, puis t'en fais une et machin et tout.
Au lieu de la refuser, celle que, puisque moi je refusais du coup la serpentise à chaque fois, bah maintenant je la refuserai plus, c'est génial. Et là, il me propose. Allez, une anomique. Alors, l'Angel Cartel. Alors, l'Angel Cartel. Bah, évidemment, je l'accepte. Hein. On va pas s'arrêter là. Si ça avait pas été une autre anomique, j'aurais stoppé. Mais on va faire l'Angel. Alors, à chaque fois, c'est chaud. Il te faut un Glamourex. Alors, les Ah, putain, alors tu sais quoi? Alors, je sais à quoi ça sert, les Glamourex, mais. Tu vas me dire que en plus les Glamourex, parce que moi je croyais que les Glamourex c'était que pour les gains, mais en fait ça limite aussi les pertes. Enfin, j'imagine que t'as quand même de la perte, mais t'en as moins quoi. Daredevil. Parce qu'en fait, j'ai hésité la dernière fois justement. J'étais pas sûr et le gars à qui ah oui, parce que l'année dernière, c'est l'année dernière qu'il y en avait plein des Glamourex en fait. On les avait, c'était pendant un event, je crois, qu'il y en avait eu pas mal. Alors, est-ce que j'ai des donc tu fais de la mission jusqu'à la fin? Oui. Et du coup, après, je croyais, je me demandais si quand on en prenait un, on en perdait moins du standing, du coup, aussi. Oui, ils étaient drop sur les Twitch. Sur Twitch, ok. Alors, la mission, c'est fait. Maintenant, go le... Pas trompé, hein. Angel Cartel. Ouais, c'est ça, Angel Cartel. C'est celle que je fais avec le Daredevil. Alors, à chaque fois, celle-là, c'est tendu. Il y a des fois, c'est pas tendu. Parce que forcément, si lui, il en passe une grosse et qu'il m'en met une grosse sur la tronche, c'est tendu. Et inversement, il y a des fois, c'est facile. C'est moi qui lui en mets une grosse en fait. Et du coup, après ça se passe bien. La dernière, et j'ai fini, je devais être la moitié de l'armor, je crois. Comme tu vois, je n'ai pas de shield ni de armor. Pas de shield booster ni d'armor repair. Oui, les anomics, ça s'appelle les burners parce que normalement tu dois overheat, d'où le nom burner. Ah putain, ok. Ah, c'est pas mal ça, ouais, d'accord. Parce que là, du coup, je me dis, est-ce que je les stasis, là, je les surchargerai pas aussi pour qu'ils. Ok, y a peut-être pas besoin là. Il est à range en fait. Il est toujours à range. Mais il faut... les tourelles, ah ouais, là les tourelles, il faut... Les tourelles, il faut... Il y a une fois, j'ai oublié de les... j'ai oublié de les surcharger. Et heureusement, j'avais pris un booster. Parce que ça a été short. J'ai fini sur la structure. Et là, c'est vraiment. Le moustique. Il arrive. Ça dure vraiment pas longtemps, là, celle-là. Ah, bah, peut-être qu'il faut des munitions faction aussi. Ça passe 100. J'avoue que j'ai pas regardé. Admettons. Parce que là, je suis à 467, ce qui est pas mal déjà.
Après, les autres, je ne sais pas quels sont leurs avantages, en fait. Mais il y en a en antimatière, en tout cas. Elle dépasse pas le void. Hop, c'est parti. J'ai oublié de surcharger. Hop, on surcharge. Lui, je le garde au plus proche, en fait, de toute façon. Attends, mais qu'est-ce que je fais? Je vais où, là? Ah, mais j'ai cliqué sur la... J'ai cliqué sur la gate, pas sur la... Je croyais que j'avais ciblé le portail. En fait, je ciblais la gate. Alors lui, je l'ai jamais perdu. En fait, il n'y a que le harpy que je crois que j'ai perdu. Je crois que le garmure, je l'ai perdu, mais j'étais pas du tout. Non, on était en pleine discussion, voire plus que ça, en fait. Engueulade, machin. Et j'étais pas du tout focus à ce que je faisais. Je cliquais comme si je faisais mes level 4 avec le golem, quoi. Mais le harpy, voilà, c'était 50 millions. C'était. Après, je suis retourné faire la mission. Mais le garmure. Ouais. Mais c'était. Je sais plus. Mais le garmure, je crois que je l'ai perdu une fois. Alors, hop. J'en ai un, je l'ai pas encore fit. Ah oui. Allez, là, c'est parti. Donc, ça, c'est overheat. Le Dramiel. Alors, ça se passe bien pour l'instant. Ah, là, ça se passe très mal. Oh, c'est foutu. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui vient de se passer là. Bah là, écoute, c'est la première fois que ça me fait ça. Et ben là, fini le. Tu vois, je le touche même plus. Alors là, je sais pas ce qui vient de se. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Qu'est-ce qui reste là-dedans? Il n'y a pas grand-chose qui vaut le coup de venir récupérer, en fait, voire rien. Après, le fit, c'était un fit. Un fit de merde. Ouais, c'était un fit de merde. Mais je suis deg, ils ont changé les LP Store des Sister of Eve, on peut plus... Alors attends, je m'en mets ça. Et on peut plus avoir les vaisseaux avec des ISK plus des LP maintenant, c'est que des blueprints. Ah! Ah oui, en plus, faut les construire maintenant, du coup. Bon, lui, il a rien, de toute façon, dedans. Ah si, il y a ça. Le basique, ouais. Je vais pas repartir sur un fit maintenant, de toute façon je vais me docker. Ça me l'a jamais fait ça. Je sais pas ce qui s'est passé là. Parce que là j'ai genre ça va pas du tout. Genre comme si je m'étais planté sur quelque chose. Et en fait non. C'est bizarre parce qu'en fait il était à 200. Il faudrait presque que je regarde la rediff, mais il était à côté et je le touchais pas, en fait. Et pourtant, je l'avais stase. Bah,
Bah, c'est la première fois. Pourtant, celle-là, j'ai dû la faire au moins une quinzaine de fois. Je pense une quinzaine de fois. Du coup, je pense que je vais... Alors, attends. J'ai oublié de bookmark. Il va me laisser rentrer avec la frégate là-bas dedans. Avec la corvette. Bon, quand même à donner l'assurance. 166 000. Bon, j'espère que je peux rentrer là-dedans. Oui. Il m'aggro même pas. J'aurais pu loot. J'ai même pas osé, j'aurais pu loot. Mais le machin il m'aggro même pas parce que je suis en frégate, en corvette. Je veux pas prendre le risque de. Ou alors il boude. Oh non, il s'est dit c'est bon, je t'ai mis déjà ta rouste. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais y retourner? On va voir s'il m'aggro ou pas. Vraiment. Je loot. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, pas pour. Ouais, parce que ce qu'il y a, c'est que je voudrais pas le looter. Qui m'aggro et qui m'explose le truc et du coup ce que j'ai looté disparaissant. Bon, c'était le plus cher, c'était vraiment le vaisseau, c'était pas le fit là. Mais c'était un fit qui fonctionnait, mais pas là. Il a toujours fonctionné en fait. Alors, après, je l'ai pas fait des millions de fois. Hein. Mais j'ai dû le faire au moins une quinzaine de fois. Enfin, une quinzaine de fois, je pense. Mais alors là, c'est même pas. Alors après, oui. C'est même pas. C'est pas passé. Là, c'est. Absolument pas passé, genre de ouf. Il y a eu un gros problème. C'est même pas. C'était pas loin. Ça passe, là, ça marche pas, tu t'es planté de vaisseau, quoi. Alors. Quoi? Ah, si, ça y est. Ok, bon. J'avais fait un bookmark. Bon, j'en refais un, voilà. Bon, bah du coup, ça me fait quand même remettre en question ce feat, là. On est d'accord. Peut-être falloir faire un vrai truc en fait. Oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est tant que je m'étais pas approché, il disait rien. Et là, il a dit ah non, ça c'est mon trophée. Alors, le trophée va pas bien loin là quand même. Bon, jolie station ça.
Docking request accepted. Alors, corvette, encore un coup. Du coup, les missions, je vais la cancel. On peut la cancel là. Hein. Il semblait qu'on pouvait la cancel. Non. Attends. Pas de docker, non. Non, pas ça. Ouais, voilà. Et il va falloir que je retravaille ça en fait, un fit pour faire du coup. Ouais, mais autant le hawk il va très bien en fait, du coup pour faire celle-là. Ça m'étonnerait même pas d'ailleurs. Ouais, le hawk, à mon avis, ça peut aller. Bon, pareil, il faut probablement adapter les missiles et tout, mais... Ouais, du loot. Oui. Après, là, moi, j'ai vraiment l'impression, quoi, il s'est passé un truc. Et je ne saurais pas te dire quoi. Parce qu'autant, tout à l'heure, je l'ai dit juste au moment où je dis, ouais, des fois, ça passe un peu large, un peu d'un côté facile, un peu d'un côté pas facile. Mais là, c'est une autre planète. Et je me suis fait déchirer et à la fin, lui, il lui a resté 80% de son shield, en fait. Ça, d'habitude, ça n'arrive pas. Je pense que après le Hawk, pareil, le Hawk, il a coûté quelque chose. Après, ça... oui, le Hawk, ça doit passer. Pareil, double stasis. Il a, alors lui, en revanche, il tank, hein. Pas comme là, parce que là, c'était du tank, mais c'est du tank passif entre guillemets, quoi. Du tank, j'attends que ça passe, quoi. Toujours le truc en instable là, bon je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, tant que ça, la vidéo ça va. Bon, et ben je pense qu'on va s'arrêter là. Quelle heure il est? Il va être 4 heures là. Bah, après j'ai démarré tard. J'ai démarré tard. C'est rare que je lance un stream à cette heure-ci. Il était minuit et quelques. Juste le temps de lui demander une mission, voir ce qu'il a me proposé. Et après, il va falloir. Du coup, je peux en faire un de plus, mais je peux en faire un. Il y en a un de moins là. Ou alors,
J'ai pas envie de la refaire la même. J'ai envie de refaire la même. Il est probablement à... Alors le feed c'était quoi? Voilà, donc il y en avait pour 120 millions, quelque chose comme ça. C'était, voilà, 6000 HP de... Si, il y avait quand même un peu de résiste. Mais de l'extender et tout. Ouais, ça passait, mais là, ça m'a passé. Bon, bah, ça, c'est pas passé. C'était un feat simple. Hein. Après, c'est sûr que oui, voilà, peut-être un peu de faction. Ouais, probablement, probablement. Bon, ben hop. Ah ben voilà, on va finir dans l'Ibis. Angel Extravaganza. Certainement pas. C'était ma préférée avant. Oh, Destroy the Jaguar. Bon, allez. Ça va que c'est le Jaguar et que tout à l'heure tu m'as dit le Jaguar. Donc, moi, Jaguar. Donc, on sort le Garmur. Jaguar. Jaguar, c'est les deux premiers, enfin les deux bursts, on peut les faire au Mjolnir Navy. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mjolnir. Mjolnir Navy. Ça, c'est bon. Et le du Scourge. Il y a beaucoup là du Scourge. Ça devrait suffire quand même, j'imagine bien. J'ai pas mis là-dedans dans quoi. Ah, j'en ai pas ramené dans l'Ibis. Non, il n'y en avait pas dans l'Ibis, si peut-être. Ah non, c'est pas dans l'Ibis. C'est dans lequel? Dans le Hawk. Un peu de scourge, je vais en piquer un peu. Scourge, rage, voilà. Hop. Je vais en piquer, je sais pas, 1000. Non, 1000. Ok, il ne peut plus écrire. Ah. Ah bah, c'était laborieux. Ok, donc, du scourge, on a dit. Scourge, c'est bon. Et Mjolnir. Kaldari Navy, c'est bon. J'ai accepté la mission. Oui, j'ai accepté. Allez, c'est parti. On n'en finira pas en Ibis. Et ben voilà, on finit pas en Ibis. On finit comme on a commencé en fait. Du coup, ça fera quand même exclusivement du burner. Alors, ça n'a pas été très rentable. Parce que non seulement j'ai dépensé un pognon fou pour. Enfin, dépensé un pognon fou. Mais voilà. Pas dépenser un pognon fou, mais j'ai utilisé des modules que j'avais. Que je gardais au chaud, des trucs. Et puis surtout, j'ai laissé le de Daredevil. Ouais, pas encore, ça va venir. Donc un petit coup de Jaguar. Ah, peut-être un bon loot qui me paye le Daredevil, ce serait bien là. Le Daredevil, j'ai oublié de prendre mes scripts. Hein. Putain, mais quel guignol alors. J'ai encore oublié de prendre mes scripts. Ça ira 100, mais j'ai quand même oublié de prendre mes scripts. J'ai que ceux que j'ai de chargeur. En fait. Le Jaguar, c'est le seul qui, des fois, me touche. Alors, est-ce que ça va être la soirée, là? Enfin, pas la pire, parce que la pire, je l'ai faite, déjà. Est-ce que ça va être une soirée où... je laisse des plumes, encore? Parce que, alors là, il ne manquerait plus que le Garmur y pète. Ah, j'aurais l'air con. Et, en plus, je serais un peu salé, là. Après, du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 burners, c'est ça? J'ai commencé par une, 2,
Et ça, ça fera la troisième. Ça fait pas beaucoup. 3 burners, ça peut se faire normalement très très vite. Bon, ben là, il y a eu toute la recherche avec le feed du Hawk, etc. Bon. Ça compte pas. Trois dont une loupée. C'est vrai que quand on loupe une, ça fait... Oui, oui, bah du coup, on a bien vu, du coup. Ouais, c'est... Du coup, c'est écrit maintenant. J'allais dire c'est écrit noir sur blanc. C'est plutôt écrit blanc sur noir, mais... à revoir, je vais mettre pour celui-là. L'Angel Cartel Daredevil Tank, à revoir. Donc là, je reprends mon notepad. On va commencer par un burst au Kaldari Navy Mjolnir. C'est ça. Une Kaldari Navy Mjolnir. On orbite à... Alors, j'ai marqué 22, mais 20, ça passe. Hein. C'est pour ça que tu vas me dire qu'il me touche de temps en temps. Alors, un petit peu de focus. On est parti pour un Jaguar. Hop, on cible le Jaguar. Orbite à 20 km, micro hard drive. Donc lui, je vais commencer à le cibler lui. Un burst, deux bursts. Et on va allumer le local. Ah, ils sont loin là, quand ils sont loin comme ça. Bon, il a du mal à rentrer en orbite comme il faut là. C'est bon. Donc les bursts, je pense qu'ils tank shield, ouais, bah c'est des mines matards de toute façon, donc ça tank shield. Bon, après c'est pas forcément systématique, mais ouais, c'est une mine matard, ça tank. Donc lui en plus il a 17 km, donc ça va, parce que là j'ai mis les Kaldari Navy en 27 km de range. Donc j'ai de la marge là, avec de la marge. Et 27 km, et puis là je veux pas dire je découpe, mais là il a pris cher quand même. Et ensuite on passe au Scourge. Hop. Scourge, rage pour le Jaguar. C'est un peu limite niveau de distance, mais ça va, ça passe. Parce qu'il y a des bonnes, elles passent, elles font à 300. En fait. Voilà, 313. Ça lui met cher, là. Ça pourrait même passer, à mon avis, sans faire le burst avant. Vu ce qu'il peut prendre avant. Là, il prend cher quand même. Mais du coup, de faire le burst, ça facilite les choses. Et voilà, terminé, on est sur la coque. Et voilà. Alors d'habitude avec le Dramiel là juste avant, ça se passe un peu pareil. C'est-à-dire je viens, tac tac, je fais mon... presque commencer à prendre mon train-train en fait. Ben non, avec le... tout à l'heure ça s'est pas passé comme prévu. Alors, sûrement rien dedans. Ouais, c'était sûr. Mais il fait bien son travail, ce Garmur, en fait. Ouais, il est bien.
Au pire, j'ai pris 3 burners, quoi, ça fait 30 000 LP. C'est pas mal, quand même. Dans une routine, c'est bien. Mais là, bon, c'est sûr qu'après la perte du Daredevil, bah, du coup, ouais, non, je vais partir sur... Faut que je vois s'il y a moyen de faire de la faire, en fait, l'Angel Cartel avec le Hawk. Bon ben voilà. Oh, ben du coup c'était ouais, c'était mitigé. Bon, il y a eu pas mal de science déjà, ça c'est pas mal. On a appris. On a appris pas mal. On sait que mon feat pour du Daredevil, il a marché jusqu'à une fois où il n'a pas marché. Du coup, c'est quand même à reconsidérer. Et Damsel in Distress, non, clairement pas. Bon, ben voilà, il y a un petit stock de LP qui se fait doucement, voilà. Après, il va falloir se débarrasser de tout ça, ça va être encore une autre histoire. Bon, ben c'était pas mal, on y est arrivé. On l'a fait, moi je vais m'arrêter là parce qu'il est quoi, il est 4h du matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné et d'avoir participé à ce stream. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu pour pas louper les prochaines et éventuellement venir me suivre sur Twitch et si vous voulez aussi nous rejoindre sur le Discord, le lien est en description. Merci aux nouveaux followers, merci à toi Darivus, merci pour tous tes conseils parce que je pense que j'aurais encore zappé l'anomique serpentiste, enfin, de toute façon le burner serpentiste je l'aurais zappé si t'avais pas un peu tu m'avais pas un peu aidé, de toute façon je pense que je m'en serais pas sorti, donc merci beaucoup, merci de ton aide et bienvenue dans la commu, merci pour ton follow. Du coup je vous souhaite à tous une très bonne nuit, bien qu'elle risque de pas forcément être bien longue. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vais vous envoyer chez... Si vous voulez continuer un peu sur du Eve, moi je vous envoie chez Barney. Il est encore là. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous dis play safe, comme on dit, dans le milieu. Il faut que je retrouve Barney. Il est où? Dans la liste. Il est là. Hop. Je vous souhaite une bonne nuit. Fais des bisous. Bonne soirée. Bonne nuit plutôt. À bientôt. Ciao, ciao.